Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Franck Payen et je reçois aujourd'hui Jean Moufuse. Bonjour. Et je le reçois sur la chaîne YouTube Adobe France. Nous sommes en direct, nous sommes mardi, il est midi, et on va être ensemble pour une petite heure, une heure et demie, on va voir un petit peu comment on avance. Et durant cette heure et demie, on va parler de jeux, mais pas n'importe quel jeu, puisqu'on va revenir sur les livres dont vous êtes le héros. Ce qui fait un petit peu suite à ce qu'on a mis en place ces dernières semaines au niveau de la chaîne YouTube, c'est-à-dire toute la partie création, conception, d'illustration, de jeux, etc. Et qu'on a développé eh bien avec les différentes applications qui font partie du Creative Cloud, c'est-à-dire Photoshop, bien sûr, Illustrator, des outils comme Dimension, Aero. On a fait du jeu, on a fait des animations pour le jeu via Animate. Voilà, je pense qu'on a fait tout un très gros tour sur ça. Alors d'abord, j'avais une petite question pour les gens qui nous rejoignent pour la toute première fois. Manifestez-vous, dites-nous oui, c'est la première fois que je viens. Comme ça, ça me permettra de vous identifier au moins un tout petit peu. Pour les gens qui sont là, pour les habitués, ben, je vois qu'il y a quelques noms que j'ai déjà vu passer. Je vous refais quand même le topo, parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien que vous sachiez qui on est, où on est et comment ça fonctionne. Et donc, je vous partage vite fait mon écran. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube. Vous y êtes, normalement. Vous êtes sur ce live. Et vous avez moyen de retrouver, en fait, tout ce qu'on se raconte au fur et à mesure. Vous avez les diffusions en direct à venir. Vous allez retrouver aussi les éléments en masterclass. Vous allez retrouver les différents tutos sur les applications. Et comme je vous ai dit en plus, hein, je vous ai pas pris en traître, sur la partie du jeu, ça fait 3 semaines que je suis dessus. On a fait du Dimension, on a fait du Character Animator pour ceux qui auraient besoin, on est allé fabriquer notre carte au trésor directement dans Illustrator, du dessin dans Fresco, on a fait des éléments animés dans Animate et tout, il y a vraiment eu pas mal de sujets. Et ça nous permet un petit peu de démarrer là-dessus. Donc du coup, je vais quand même dire bonjour aux gens parce que... Ça se fait pas, c'est pas très correct. Sinon. Surtout que tu vas nous demander. C'est ça. Va. Donc bonjour Swirl Actu, bonjour Richard, Delphine, salut Daniel, Richard. Alexandre, Laura Captioniti, Couleur Vanille, Michael, TMPX, Alexandre Cellier, FDub, Florent, c'est le même, et Fabrice. Voilà, bah, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Alors du coup, je vois qu'il y a des nouveaux, que tout le monde a déjà utilisé un peu InDesign. Même si c'est pas beaucoup beaucoup, et c'est pas grave, on va vous mettre un petit peu le pied à l'étrier, j'allais dire le cœur à l'ouvrage, Là, c'est le pied à l'étrier. Et si vous voulez savoir qui est Jean-Loup, qui est à côté de moi en tout petit pour l'instant, regardez, on va le mettre en plus grand comme ça. Parce qu'il mérite d'être un peu en plus grand. Ouais. Si vous voulez savoir qui est Jean-Loup, vous pouvez aller chercher sur la chaîne YouTube Adobe France ou tout simplement dans les commentaires de la session, parce qu'il est déjà intervenu 2 fois chez nous. Une fois pour une toute petite introduction à InDesign il y a 4 ans, et puis il est surtout venu faire une présentation d'un magazine de luxe sur lequel ben, il avait travaillé pas mal d'années. Maintenant, vous en êtes à quel opus de celui-là? Alors là, cette année, on fait le numéro 10. Numéro 10, ah ouais, c'est un anniversaire en plus. C'est un spécial, effectivement, sur lequel on est en train de réfléchir, ouais, tout à fait. Donc ça, c'était d'ailleurs, je crois que t'es un des premiers intervenants que j'ai reçu sur la chaîne YouTube. Ah oui. Et du coup, tu nous avais donné plein de trucs et astuces sur la gestion du texte, la gestion des différentes pages, la préparation, bah, tu as vu que t'es allé jusqu'au bon à tirer, le suivi couleur et autres. Ouais. C'était avant l'invention du fond vert. Oui. En vrai, ça avait été inventé avant, mais par contre, c'était avant qu'on en ait un derrière nous. C'était encore la mode des grosses lunettes. C'est ça, il y avait tout ton travail de chemin de fer préparé sur Chrome, etc. Mmh. Et cette session-là, vous la retrouverez dans les liens en dessous de la session du jour. Donc n'hésitez pas, c'était très intéressant, très enrichissant. Moi, je connais bien Jean-Loup parce qu'il anime avec moi le InDesign User Group, qui se réunit régulièrement sur Paris. Donc si vous êtes genre fan d'InDesign et que vous avez envie d'en savoir plus, recherchez InDesign User Group. Voilà, vous êtes grand, je suis sûr que vous trouverez le lien. On vous accueillera avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on reste dans la foulée de tout ça. Alors si je dois avoir un petit lien aussi vers ton site, parce que t'es pas juste Jean-Loup, t'es Jean-Loup Atelier Jilou F. Ouais.
Alors, je suis passé non pas sur ton site, mais sur ton Behance, ce qui permet de voir la quantité de boulot. Tu fais toujours des jolis shoots comme ça en couleur ou c'est des photomontages? Ce sont des photomontages. Ah, quel artiste. Quel technicien aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, directeur artistique pour Étape. Ouais. En quelques années, je ne le suis plus maintenant, hein, depuis plusieurs années, depuis la refonte de formule. Mm-hmm. Mais je continue de faire de la direction artistique ou de la refonte de maquettes, soit pour des groupes de presse, soit pour des entreprises qui ont besoin de faire de l'édition corporate. C'est le cas pour l'agence immobilière du Golfe, là, le fameux magazine, que t'as montré, le Luxury. Le Luxury, voilà. Mais ça peut être aussi de la micro-édition, comme pour Nespresso sur le Lexique Café, ou des catalogues comme Pinto Paris, qui est un éditeur de mobilier parisien qui avait besoin de remettre à jour son catalogue. Et du coup, quand tu travailles sur ce genre de projet, on voit qu'il y a quand même toujours un esprit de mise en page, je dirais, assez traditionnel, propre, au niveau du cadre. C'est vrai que j'ai une approche qui peut être qualifiée de traditionnelle, effectivement, mm-hmm. dans la gestion des marges, la gestion typographique. Là, en l'occurrence, sur ce projet-là, comme l'éditeur est un éditeur qui, lui aussi, est très traditionnel dans le choix de ses matériaux. Mm-hmm. Alors, dans les dessins, il y a de l'originalité, mais dans le choix des matériaux et de la fabrication, ça reste des artisans d'art qui travaillent dans les règles, disons. Mm-hmm. Donc là, ici, les marges sont calculées sur le nombre d'or, donc c'est pas un format classique, c'est un format vraiment calculé. La typo, c'est Mrs. Eves que j'ai choisi parce qu'elle a un tout petit œil, ce qui permettait d'avoir pas mal de texte, mais en gardant des pages assez aérées. Enfin oui, du coup, c'est vrai que l'approche est très... C'est très haute qualité, un peu luxe, ça, élégance. Voilà. Mais parce que ça colle au colle produit, à la marque. Voilà. Après, il y a des choses qui peuvent être un peu plus contemporaines, on va dire. Voilà. Et à côté de ça, donc, alors on va repasser. Il doit y avoir le lien vers ton site quelque part, voilà. À côté de ça, en plus de tous ces contenus visuels que tu mets en place, tu donnes aussi régulièrement des trucs et astuces sur ton blog. Ça peut servir. Si tout à l'heure on vous dit tiens, en fait, j'en ai parlé dans le blog à un endroit ou à un autre, ce sera ici, ça existe. Ouais. Mais tu donnes aussi régulièrement des formations, des tutos, c'est ça ? Alors, je fais effectivement une grosse part de mon activité qui est la formation professionnelle. Je fais beaucoup de présentiel au centre de formation Pyramide sur Paris. On peut être aussi amené à nous déplacer. Et depuis 6 mois, j'ai commencé à publier des tutos chez tuto.com, avec qui on est en partenariat avec Pyramide. Et voilà, d'ailleurs j'en profite pour les saluer et pour les remercier de l'accueil, parce qu'on est chaleureusement bien accueillis. C'est voilà, le Sud, donc, c'est l'esprit du Sud. Ouais, sans doute. Donc merci Jean-Loup, j'espère que la petite présentation vous aura permis de le connaître un tout petit peu plus. Et pour tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la session du catalogue avec Jean-Loup, elle était vraiment... Elle était vraiment hyper précise et pleine de points à retrouver pour pouvoir compléter votre connaissance d'InDesign en production, en tout cas. Merci Franck. De rien. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de livres, et quand on parle de livres, on a besoin un petit peu de trouver des pistes, de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher en termes de livres. Et donc... pour les habitués de la chaîne, ça va pas être quelque chose de neuf pour vous, pour les nouveaux, vous allez peut-être le découvrir. À chaque fois que je recherche une inspiration, je passe sur Behance.net, et sur Behance, en fait, je vais aller faire soit découvrir, parce que j'ai envie de voir un petit peu tous les sujets, comprendre un petit peu, soit je sais pertinemment ce que je recherche. Et dans ce cas-là, je vais passer sur la petite loupe, et par exemple, si je cherchais du design de livre, hop, qui pour une raison qui m'échappe... n'est pas dispo à l'instant. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive de toute ma vie d'avoir une histoire de cache derrière ça. Quand je vais rechercher de la mise en page de livres, par exemple, eh bien, je vais aller retrouver des manières de travailler. Je vais aller retrouver pas mal de photos, on va retrouver des belles lettres, on va retrouver des belles mises en page dans différents thèmes. Ici, on a la mise en page de livres sur du champ à moitié en anglais, à moitié en chinois, ce qui est toujours assez impressionnant comme type de travail.
On a pas mal de boulots qui ont été faits par des graphistes en collaboration avec des illustrateurs, avec des mises en forme bien particulières, avec des recherches sur les équilibres de pavés, sur les choix de typo. Choix de typo, ça va être hyper important. Et puis, bon, on en parlera tout à l'heure, tu avais regardé le boulot de Dora Hugebert sur Kafka. Ouais. On le regarde maintenant ou après? Ouais, on peut le regarder maintenant, allez. Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un livre dont vous êtes le héros. Enfin, on s'est dit qu'on allait faire un livre dont vous êtes le héros. Et Jean-Loup a fait le boulot parce que c'est quand même le... Non, j'ai rien préparé en plus. Un peu plus que moi. Et il a fait la partie du boulot qui est assez précieuse dans ce genre de travail, puisque c'est la recherche visuelle, de l'inspiration et des méthodes qu'on va pouvoir appliquer pour guider l'œil, pour guider le regard du lecteur. Du coup, donc voilà, tu nous parles un peu de cet ouvrage. Bah, c'est un ouvrage que j'ai trouvé en faisant exactement comme toi, c'est-à-dire qu'en allant sur Behance et en tapant Book Design ou Editorial Design, qui sont des feeds que j'aime bien suivre. Il y a vraiment des grands talents sur ce réseau-là. Et assez rapidement, je suis tombé donc sur cet ouvrage-là. Et je le trouve assez intéressant pour notre exercice, dans la mesure où il y a les fameux appels qu'on a ici dans la marge de gauche, alors sur le petit gif qui bouge. Ouais, on va moins bien les voir. Voilà, mais voilà, ici, donc on a sur les marges des appels, et ce type de construction, avec du texte qui sort du pavé courant, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse à montrer dans InDesign, c'est-à-dire qu'on va fabriquer ça dans InDesign, tout en conservant évidemment la structure des paragraphes, puisque l'objectif de cette session donc c'est de partir de zéro, donc dans un fichier qu'on va construire ensemble, petit à petit on va récupérer du texte, on a le texte d'une œuvre. Alors en libre de droit on est parti. Ouais. Alors je vais vous faire un petit sondage à main levée là pour savoir qui est avec nous. Est-ce que vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Ou est-ce que je suis le seul à fréquenter ce genre de choses et ce genre de thèmes? Alors bien entendu, tout ce qu'on va vous donner aujourd'hui pour le livre dont vous êtes le héros, vous pouvez l'appliquer à des tas de cas. Si vous êtes plutôt en entreprise à faire du rapport d'activité, vous pourrez tout à fait utiliser ça pour vous, il n'y a pas de souci. Oui, c'est un prétexte ludique en fait à la démonstration de fonctionnalités dans InDesign qui peuvent servir évidemment pour plein de cas de figure différents. Donc pour ceux qui sont nés dans les années 80, vous avez sans doute vu ce concept de livre-jeu. C'était des livres sur lesquels, eh bien, au fur et à mesure de l'histoire, on pouvait avancer page à page dans le texte. Et eh bien, selon les choix qu'on allait réaliser, on allait avoir une certaine forme de carte, d'organisation du récit qui nous disait, ben voilà, vous allez de la page 1 à la page un tel. Si vous voulez ouvrir cette porte, aller au numéro autant. Si vous voulez au contraire rester dans le lieu, vous tournez à telle page, etc., etc. Et c'est toujours assez riche de voir ce genre d'organisation d'un récit qui est vraiment en mode aventure, qui est vraiment en mode chemin, parce que ben, pour la plupart, on a, ben, comme on le voit ici, le sorcier de la montagne de feu qui a été un des très grands succès. Donc c'était Steve Jackson et Ian Livingstone qui ont travaillé dedans et qui ont popularisé le genre, hein, très clairement à l'époque, où on voit bah, justement les différents choix qui s'ouvrent au lecteur et les différentes possibilités pour pouvoir justement faire un récit un peu complet. Donc ça, c'est un système qui m'a passionné. C'était avant les ordinateurs. Ouais. Et justement, ça permet d'avoir une construction d'histoire et d'avoir vraiment le lien entre le texte, l'histoire, l'aventure. Et ça permet, je pense, de développer pas mal de choses chez les mômes solitaires, notamment. Donc des oui, des non, c'est là où il y a plusieurs choix d'introduction. Oui, ouais. J'ai grandi avec les livres dont vous êtes le héros. Ben, bienvenue Gérald. Moi aussi. De vue, oui. De vue uniquement. Alors de vue d'ailleurs, quand on parle des livres dont vous êtes le héros, moi ce qui m'a bien éclaté aussi à l'époque, et qui m'éclate toujours autant, c'est que du coup les couvertures et les illustrations à l'intérieur étaient toujours assez formidables en termes de style. Hop, si je tape illustration,
On devrait retrouver pas mal de contenu. Moi, ça m'a permis de découvrir des illustrateurs, mais tellement balèzes en termes de dessin à l'encre, etc., etc. Je m'en suis beaucoup inspiré quand on a fait la session sur Fresco, sur le dessin à la plume. Voilà, vous pourrez retrouver un petit peu tout ça en ligne. Maintenant que vous avez le thème de la session, je vous laisse chercher. Moi, je connais les livres où, en fonction de la suite de l'histoire, on doit se rendre à un certain chapitre. Je sais pas si c'est pareil. C'est exactement ça, Captionity. Mmh. C'est exactement ça. Et du coup, en regardant tout ça, en fait, au fil des différentes sessions là ces dernières semaines, j'ai travaillé pour vous proposer du contenu qui nous permettrait justement d'arriver à cette étape-là. Et quand je dis arriver à cette étape-là, eh bien, c'est par exemple sur les précédentes sessions, j'ai utilisé mon iPad pour dessiner à l'aide de Fresco. Alors Fresco, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est l'appli Adobe et qui permet de faire du dessin, notamment des dessins à l'aquarelle, des rendus un petit peu fins en termes de couleurs, et qu'on va pouvoir justement... Hop, je partage, je croise les doigts pour que ça marche. Normalement, ça peut passer. Mmh. Voilà. Hop. J'aime bien dire hop. Hop. C'est la fameuse prophétie autoréalisatrice. Voilà. Bienvenue à la maison, donc bienvenue sur l'iPad. Et sur Fresco, en fait, on a moyen de faire plein de styles différents. Donc pendant les sessions de jeu, je me suis amusé à faire du travail à l'encre, je me suis amusé à faire du travail à l'aquarelle, à échanger entre mon dessin à l'encre et les autres applications. Là, on a du travail sur un personnage animé avec les différentes bouches. Et puis, spécifiquement, pour le jeu de rôle, on est parti sur ce genre de rendu. Alors, c'est pas forcément le dessin le plus fin qui existe sur ça, mais ça permet un petit peu de situer le contenu. Et ce qui va être ce que je trouve intéressant, moi, là-dedans, c'est que ce que j'ai fabriqué là, en termes de rendu, en fait, ces fichiers-là, ce sont des fichiers qu'on appelle des documents en ligne. Et donc, les documents en ligne, ils sont sur ma machine, mais ils sont partagés sur le cloud. Et quand ils sont partagés sur le cloud, si je vais maintenant sur mon bureau, sur mon Photoshop, eh bien, je vais retrouver ces différentes illustrations. Donc, ce sera hyper facile de les ouvrir pour pouvoir retravailler dessus. Et quand je vais vouloir travailler avec Jean-Loup sur le livre, eh bien, je vais pouvoir reprendre, ici par exemple, c'est du dessin vectoriel, je vais pouvoir reprendre les éléments, et ces éléments-là, eh bien, je vais pouvoir, quand il va m'ouvrir le fichier, ouvre-moi le fichier, hop, on va l'aider, double-clic. Est-ce qu'il est en train de bosser ou pas? Oui, il l'a ouvert en arrière-plan sur Photoshop. Alors, étonnamment... Ah non, parce qu'il doit s'appeler... Tous les deux doivent s'appeler Thème Content. Ah oui, ouais. Ah, coup, petite blague. Tiens, c'est intéressant, ouais, j'avais pas encore fait gaffe à ça. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais. Et du coup, je vais retrouver les éléments que j'ai pu dessiner pendant un voyage, pendant un déplacement. Et je vais pouvoir prendre, par exemple, cette série-là. Et je vais vous parler d'un outil que j'utilise, mais en permanence. Alors, pas juste ce que je vais faire là. Si je vais faire un truc d'abord, je vais passer dans Illustrator, tracer, simplifier, parce que simplifier le tracé a été vraiment, vraiment nettoyé, vraiment facilité à l'intérieur d'Illustrator dans les dernières versions, puisque maintenant on a une petite fenêtre, une petite fenêtre qui nous permet de visualiser directement le nouveau, le précédent, ou de retrouver tous les réglages. Donc comme ça me donnera des tracés, des illustres plus légères, et je vais pouvoir les prendre et les poser dans les bibliothèques. Donc, question à tous, est-ce que vous connaissez les bibliothèques Creative Cloud? Parce que ça fait partie, en fait, quand vous avez votre Creative Cloud, donc vous savez, vous avez la petite icône là-haut qui vous dit « je suis en train de synchroniser des contenus, du coup tu vas pouvoir voir les mêmes images, etc. » Quand vous cliquez dessus, vous avez tout un panneau pour l'installation de vos applis, design et mise en page, on va avoir évidemment Photoshop, Illustrator, InDesign, et vous allez retrouver aussi non seulement vos applis, mais vous allez retrouver votre travail. Et quand vous allez chercher dans votre travail, vous pourrez voir vos bibliothèques. Ici, par exemple, j'ai une bibliothèque que Jean-Loup m'a partagée, qui s'appelle Livre dont vous êtes le héros. Livre dont vous êtes le héros, voilà. Avec les petits personnages qui signifient bien qu'on est en train de travailler à deux dessus. Et sur cette bibliothèque, j'ai commencé à lui mettre des images pour qu'on bosse ensemble. Alors oui, 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 j'ai même des oui majuscules. Faites attention aux majuscules, le bot est assez sensible sur ça.
Et donc, cette bibliothèque, elle est partagée avec Jean-Loup, et je vais pouvoir du coup prendre par exemple ici le livre, je vais pouvoir ouvrir mon panneau bibliothèque, petit plus, je vais ajouter ce graphique. Je vais faire de même avec les autres éléments sur la page, ici petit plus et ajouter le graphique, et enfin je vais terminer avec la dague un peu... Je sais pas pourquoi elle a cette pointe un peu bizarre. Et surtout, ce que je vais faire dessus, c'est que j'ai ici, j'ai nommé couverture, je vais l'appeler couverture au château. Je vais renommer ma dague, donc je vais lui mettre le... Je vais juste l'appeler dague. Et ici, livre. Et enfin, crâne. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire un premier travail sur ces bibliothèques, j'ai décidé de préparer mon contenu, mais rien ne m'empêche plus tard de revenir dessus, et donc en étant sur n'importe quel autre sujet, quand je vais rechercher dans mes bibliothèques ici, je vais pouvoir rechercher dans toutes les bibliothèques, et je serai super content de retrouver par exemple livre, et de retrouver les éléments qui font partie de mes contenus qui s'appellent livre. Donc plus vous nommez, plus vous gagnez du temps. Et ce que vous avez vu sur cette bibliothèque, livre, clic droit, parce que je me rappelle en fait que j'avais une illustration qui s'appelait livre, ouais. Je peux aller lui demander d'afficher la bibliothèque, d'ouvrir dans la bibliothèque, et du coup je vais voir les autres éléments. Je retrouve la bibliothèque d'origine. Ouais. Et si vous avez besoin, parce que vous êtes encore plus organisé que moi, vous pouvez faire un clic droit dessus, et vous pouvez ajouter une annotation. Donc là c'est un crâne, plus gobelet, je connaissais pas ça. Plus qu'est-ce que ça va être? Ça va être médiéval, etc., etc. Et du coup, vous pourrez faire des recherches un peu plus pertinentes, un petit peu plus poussées là-dedans, dans le contenu. Je sais plus si les annotations sont partagées avec les autres utilisateurs. Bah, écoute, on va voir. Là, j'ai reçu toutes les. Tiens, je vais partager ton écran. Mais... Là, on est chez toi. On n'est plus chez moi. Ok. Donc voilà, et effectivement, donc moi j'ai accès aussi à la bibliothèque qui est partagée avec celle de Franck, et au fur et à mesure que tu es venu insérer les éléments, je les ai vus arriver petit à petit, chargés, et donc tu as mis des annotations sur le livre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que si moi je retourne, non, a priori le champ est vierge. Donc, le champ est vierge, ouais. Sur le livre et... Non, c'est pas sur le livre, c'est sur le crâne. Ah, c'est sur le crâne. Donc, si, elles y sont. Oui. Elles y sont, si, si, ouais, elles sont là. Il y a même une petite icône qui apparaît. Ouais, ouais. Donc ça va être un truc hyper pratique. On a quelque chose, super. Ouais. Non, c'est top, ouais. Donc pour faire des recherches, c'est vrai que c'est une forme d'outil qui va être assez pratique. Surtout pour avoir les couleurs des clients récurrents, les typos, les logos, ouais, tout à fait, FDub, c'est clair. Mm. Oui, mais non, j'aime savoir où se trouvent mes fichiers vieux graphistes. Ah là là, Michael, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, et puis ce qui sera intéressant pour nous, mais ça vous allez le voir par la suite, c'est que si je vais, moi je continue de travailler pendant que Jean-Loup est en train de bosser, eh bien toutes les modifications que je vais faire chez moi, je vais pouvoir lui demander, c'est toujours, ouais, c'est pas grave, okay. C'est pas gênant, okay. Je vais pouvoir lui justement mettre à jour les contenus chez moi, et en mettant à jour les contenus chez moi, je vais pouvoir retrouver ces contenus-là directement et les faire apparaître dans la bibliothèque de Jean-Loup. Donc ça va être un truc qui va être assez pratique. Hop, on préférait le profil. On peut aussi les gérer directement en ligne. On peut aller afficher le site web qui va permettre de gérer et d'accéder aux bibliothèques et à l'ensemble de vos bibliothèques et des éléments qui s'y trouvent. Et on va pouvoir également, voilà, là on les retrouve ici. Donc, alors est-ce qu'on va retrouver la notation aussi? Ça va être tac. L'occasion de le voir, non, j'ai pas l'impression, si on les affiche en grand, non, on n'a pas les annotations, on a pris le risque. Tiens, alors recharge ta page. Je recharge la page. Normalement, ça devrait arriver assez vite. D'accord. C'est en train de... C'est en train de charger, ah, voilà, j'ai reçu coup, encore quelque chose. Voilà, on est deux à travailler sur deux écrans différents, donc moi je fais les illustrations et Jean-Loup fait le reste du bouquin, par exemple le reste de la mise en page, etc. On m'a toujours dit, InDesign, c'est du Photoshop plus Word, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Alors, c'est pour moi, Word, c'est un outil justement pour faire ce qu'on appelle le traitement du texte. C'est-à-dire, vous allez saisir votre texte sur la longueur, vous allez mettre tout ça en place au fur et à mesure, peut-être la structure, écrire, etc. Mais InDesign, en fait, c'est un outil pour assembler ce texte. Il va assembler le texte, mais les images qui vont avec, il va assembler et il va vous assurer de garder une cohérence entre les différents éléments que vous allez mettre en place. Donc par exemple, si je décide d'avoir des paragraphes d'une certaine
certaines formes, si je décide d'avoir des couleurs pour les chapitres ou autres, eh bien je vais les retrouver beaucoup plus facilement à l'intérieur d'InDesign et de manière plus précise. InDesign, c'est un outil qu'on appelle WYSIWYG, What you see is what you get, et ce que je vais avoir à l'écran, c'est ce que je vais avoir en impression. Ce qui est un petit peu plus délicat pour Word, qui fait des tas de choses, mais qui fait pas forcément ça très très bien. Et pour Photoshop, Photoshop fait du traitement d'images, de photos. InDesign va vraiment gérer l'assemblage de ces images, ces dessins, ces photos, pour aller les mettre dans un livre, dans un ouvrage ou dans un document. Oui, InDesign, c'est un assembleur. En fait, Word et Photoshop, c'est des logiciels qui vous servent de source. Comme tu l'as dit, Word, c'est pour faire le texte, c'est une source pour nous, pour InDesign. Photoshop, pour traiter les visuels plutôt en bitmap, Illustrator, par exemple, pour traiter les visuels en vectoriel, et on pourrait très bien aussi imaginer avoir Excel, qui est là pour nous fournir de la source de données sous forme de tableau. Et InDesign est là pour assembler tout ça. Alors, c'est un logiciel qui permet d'assembler sur des documents relativement modestes, sur une page pour faire des affiches ou sur du recto verso, mais aussi sur des documents à forte pagination, puisque on peut monter jusqu'à des paginations d'encyclopédie. Le maximum, c'est, je crois, 9999 pages dans un fichier InDesign. Ça fait quand même un paquet de pages pour arriver jusqu'à là. D'ailleurs, on conseille pas de fabriquer un fichier à ce niveau-là, mais d'en fabriquer plusieurs éventuellement. Mais voilà, InDesign, son rôle, c'est ça, c'est d'assembler des sources qui viennent de logiciels complètement différents, dont Photoshop et dont Word, mais pour ensuite mettre en forme, agencer, donner une hiérarchie et générer un PDF qui peut être de plusieurs types. Ça peut être un PDF d'affichage écran si vous faites une diffusion web, mais ça peut aussi être et surtout un PDF de qualité imprimeur avec tous les repères techniques nécessaires à l'impression, les traits de coupe, les repères de montage, mais aussi s'assurer de la cohésion des couleurs, de l'incorporation des profils colorimétriques, etc. Donc c'est du Photoshop et du Word dans la mesure où, c'est vrai, on vient mixer du texte et de l'image, mais en réalité c'est plus large que ça, c'est-à-dire que l'image, elle peut être bitmap, elle peut être vectorielle, le texte, ça peut être du pavé de texte, ça peut être de la donnée, et InDesign va permettre d'exporter tout ça derrière. Voilà, donc j'espère que cette réponse est extrêmement précise. Pendant que j'étais en train de me balader, moi, sur la partie Behance, quand vous faites découvrir, vous pouvez aller chercher l'onglet InDesign, et là, vous allez voir tout ce qu'on réalise avec. Nous, aujourd'hui, on va parler beaucoup de livres, mais le livre, c'est qu'une partie de ce qu'est capable de faire InDesign en termes de documents, et sauf que c'est une partie qu'il gère extrêmement bien, parce qu'il est très automatisé, il vous permet de fabriquer des mises en page qui vont être assez poussées, avec un grand soin appliqué à la forme, avec des capacités aussi de traduction, de gestion du contenu, par exemple en français, en anglais, sur le même ouvrage. Vous pouvez l'envisager de plein de manières différentes, soit un texte à droite, un texte à gauche, soit sortir deux versions de du même document à partir d'options à l'intérieur d'InDesign. On va pas rentrer forcément là-dedans, mais moi je vous recommande vivement de passer sur Behance.net et de regarder tout ce qu'on a pu faire à partir d'InDesign. Puis on va repartir chez Jean-Loup pour qu'on reparle de ce fameux livre. De ce fameux livre. Alors, on a cherché un peu avec Franck, quand on a préparé ça, en fait, on s'était dit que ce serait intéressant de le faire avec du vrai texte. Et on tient à remercier d'ailleurs Fibre Tigre sur les réseaux, qui a été très réactif à la réponse... qui nous a donné une réponse très rapide à la question qu'on lui a posée plus tôt. Tout à fait. À savoir, est-ce qu'il existe des moyens simples de récupérer des textes en libre de droit ? Et il nous en a fourni un très rapidement. Ouais, il nous a fourni surtout le lien directement vers Litteraction. C'est ça. Que je connaissais pas du tout, j'avais pas forcément eu l'occasion de croiser. Ouais. Et qui est justement une espèce de serveur de base
autour du livre dont vous êtes le héros. Je vous avoue, j'avais pas fait de recherche depuis 1990 sur ce sujet, et c'était cool de pouvoir retrouver ça. Donc on sait qu'il y a un gros regain d'intérêt depuis quelques temps sur le jeu de rôle, sur les livres de base, sur du travail soigné en édition, en illustration. On voit régulièrement des campagnes de financement participatif. Beaucoup sur le jeunesse d'ailleurs. Beaucoup sur le jeunesse. Il y en a quelques-uns, s'il y en a qui ont des enfants en bas âge, il y en a quelques-uns qui sont très très bien faits. Ouais. Et pas mal aussi, moi j'en vois aussi de plus en plus sur la pédagogie pour adultes, avec des, comment on appelle ça, des serious games. Donc, voilà, un peu tourné sur ce rapport-là. Très 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 intéressant, ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là. Et ça commence à apparaître un peu. Donc effectivement, il y a un regain d'intérêt. Et sur ce site-là, sur cette mine d'informations, on a fait notre choix sur une œuvre qui est libre de droit, qui est proposée par Skarm. Alors, j'ai pas réussi à trouver son nom complet, mais je le cite quand même, merci à lui. Qui est donc un livre dont vous êtes le héros, tout ce dont on a déjà parlé, qui est présenté sous cette forme-là, qui s'appelle Pierre. La pierre doit être sculptée. C'est ça. La pierre doit être sculptée. Voilà. Et alors, le principe, effectivement, alors, il y a une petite introduction. On va pas le lire là pendant le live, hein, mais. on va vous faire une lecture. Posez-vous, les enfants. Posez-vous, attendez, vous prenez un crayon. Vous prenez un crayon, vous fabriquez vos fiches perso. Voilà. Alors, le principe, effectivement, c'est ça. Comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, il y a donc des chapitres qui sont numérotés. Et à la fin de chacun de ces chapitres-là, vous avez un choix à faire, des choix à faire. Et en fonction des choix, vous êtes renvoyé sur le chapitre pour que vous puissiez continuer l'histoire. Donc, en termes d'information, de hiérarchie d'information, on a choisi celui-ci parce qu'il est relativement simple dans sa mise en forme, c'est-à-dire que on pense que ça peut être quelque chose qui va être assez léger à faire en direct comme ça. Et puis, il y a aussi assez peu de chapitres, je crois qu'il y en a une trentaine, il y en a pas 40, je crois. Voilà, 38, hein. Il y a 38, donc ça va permettre d'aller assez rapidement sur les différents éléments qu'on souhaite vous montrer. Et l'idée, c'est de fabriquer tout ça dans InDesign ensemble. Franck a dit, j'ai préparé des petites choses, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi pas mal d'improvisation. Mm-hmm. Et ce serait pas mal, je me disais, qu'on le fasse ensemble. Toi, oui, Franck, en rajoutant les dessins que tu as préparés, tu disais que t'as pas fait de préparation, mais en fait, t'en as déjà fait quand même pas mal. Oui, non, j'ai fait des semaines de préparation. Voilà, t'as fait des semaines de préparation. Et donc, ces dessins-là que tu vas me partager par l'intermédiaire de la bibliothèque, on va voir comment est-ce qu'on peut les insérer, les monter dans la page. Alors, t'en as parlé tout à l'heure, l'inspiration, c'est le petit livre Kafka que t'as montré sur Behance tout à l'heure. Donc, on va partir là-dessus. Tu veux que je le remonte ou c'est question? Bon, on va le laisser comme ça. De toute façon, non, c'est juste pour l'idée. Après, d'accord. Moi, j'aime pas trop regarder trop longuement parce que j'ai pas envie d'être pollué non plus par les choses. Donc, ça me permet de donner des idées. Puis après, voir comment on peut faire. Alors, on va commencer. Et je m'étais dit que ce serait pas mal qu'on fasse ça sur un document format A5, page en vis-à-vis. C'est-à-dire, on reste sur un truc un peu classique. Même si, en fonction de comment on avance, on fera un petit export publish online. Oui, carrément. Qu'on partagera. Alors, je vais faire le sondage facile. Ouais. Vous allez m'écrire PDF si vous connaissez le PDF. 0, c'est si vous avez jamais entendu parler du PDF. 50, c'est si vous en faites de temps en temps et que vous en ouvrez régulièrement. 100%, vous fabriquez tous vos PDF et vous connaissez toutes les normes, y compris le PDF interactif. Et à côté de PDF 0, 50 ou 100, vous allez m'écrire Publish Online. Et pareil, Publish Online, si vous en avez jamais entendu parler, je pense que ça va bien vous plaire en termes d'usage et en termes de petites plateformes, justement, pour diffuser des contenus. Mmh. Ça nous permettra d'ailleurs de faire une micro-introduction à ce qu'est le livre électronique, le EPUB, puisque c'est la même base de travail. Voilà. Donc PDF et Publish Online. Je vous laisse répondre et puis je laisse Jean-Loup démarrer sur son contenu. Ouais, on y va. Alors, je suis dans la fenêtre création de nouveaux documents d'InDesign 2020, donc la dernière version d'InDesign ici. Et pourquoi j'en parle de manière précise, c'est que vous connaissez peut-être la fonctionnalité aperçu.
qui est arrivé il y a quelques versions, qui avait sauté sur une des versions et qui est revenu là de manière définitive hein, maintenant, je pense, hein, puisque voilà, et qui est extrêmement pratique, je trouve, quand on part de zéro, puisque on va avoir l'aperçu de ce qu'on, du document qu'on s'apprête à créer. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas encore créé, mais on s'apprête à le créer. Alors, je me mets sur un format A5, donc à 148 par 210 mm de haut, sur une orientation portrait, et je vais laisser les pages en vis-à-vis. Ça, c'est pour avoir le principe de reliure, c'est-à-dire avoir une page de gauche en face d'une page de droite. Et puis, je vais demander aussi à InDesign de me générer un bloc de texte principal à l'intérieur de ce fichier-là. Alors là, par défaut, c'est pas coché, cette info-là, quand vous êtes en mode impression. C'est une info qui est cochée lorsque vous êtes en mode mobile et web aussi, il me semble. Et qui est qui va nous permettre, en fait, d'avoir un bloc de texte à l'intérieur de nos gabarits de page. Et ce bloc de texte, il va avoir une particularité très spéciale, c'est que lorsqu'il sera plein, InDesign va automatiquement créer des nouvelles pages avec ce fameux bloc et chaîner les blocs de texte entre eux, etc. Donc on va avoir une sorte de fichier qui va s'augmenter au fur et à mesure des textes qu'on va venir mettre à l'intérieur du bloc de texte principal. C'est la raison pour laquelle je vais créer un document pour l'instant d'une page, puisque après, quand je vais venir coller mon texte dedans, les pages vont venir se rajouter au fur et à mesure. Je vais garder une seule colonne. Par contre, je vais jouer un petit peu sur les marges, puisque on s'était dit avec Franck que ça pouvait être intéressant de faire quelque chose avec une marge supérieure relativement importante. Alors, je vais le faire comme ça pour l'instant à l'œil. On verra s'il faudra revenir dessus, mais ce sera l'occasion de voir qu'il est possible de modifier les marges à l'intérieur d'InDesign. L'idée, c'est que c'est de pouvoir venir poser des images que toi tu vas venir faire et que tu vas envoyer dans la bibliothèque, là-dessus, voilà. Venir les mettre en haut de page. Alors ensuite, en bas de page, je vais quand même rajouter aussi un petit peu de marge parce que on n'a pas encore trop décidé comment on allait mettre le folio, mais a priori, on va plutôt le mettre là. Et le petit fond et le grand fond. Alors petit fond, je le rappelle, ce sont les marges qui se trouvent à l'intérieur de la reliure, c'est-à-dire donc au cœur, au centre de l'ouvrage, et le grand fond, alors je vais mettre un petit fond à 15 mm, et le grand fond sont les marges qui se trouvent à l'extérieur de l'ouvrage, donc à gauche et à droite, à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la planche. Voilà. Petit fond et grand fond qui sont nommés gauche et droite lorsqu'on a... Lorsqu'on est sur des pages simples. Exactement, lorsqu'on est sur des pages simples. C'est des vieux termes d'imprimerie qui devrait parler aux anciens et qu'on a conservé, voilà. pour l'historique. C'est très bien. Alors je vais arrondir ça, je vais mettre ça à 50 là-haut. Voilà. Je vais pas mettre de fond perdu et je vais pas mettre de ligne bloc. Je vais créer pour l'instant comme ça. C'est pareil, ça aussi, s'il y a besoin de changer, je reviendrai dessus. Voilà, alors maintenant j'ai bien placé mon document dans mon interface. Là, le fichier est créé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai cliqué sur le bouton, il est créé et je vais tout de suite l'enregistrer. Fichier enregistré sous, je vais venir mettre ça sur le bureau et on va l'appeler live hero. Voilà, comme ça. Alors, je vais montrer plusieurs choses. Le fichier, je vais le construire petit à petit tout au long de cette session. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que je peux récupérer le texte depuis le PDF donc qu'on a récupéré sur le site qu'on vous a montré précédemment. Alors je vais pas m'embêter, je vais faire un POM A, je vais tout récupérer, POM C, CTRL C, et donc ce fameux petit bloc là dans InDesign qui est donc le bloc de texte principal. Le bloc de texte principal, vous voyez, il a cette petite icône qui nous indique que c'est un bloc de texte principal. Et je vais montrer mon panneau page hein, pour bien montrer que pour l'instant il n'y a qu'une seule page dans le document. Mais lorsque je vais coller le texte à l'intérieur de ce bloc de texte, vous voyez que InDesign du coup a rajouté le nombre de pages nécessaires pour faire rentrer tout le texte que je viens de coller. Et ça, c'est possible grâce au fameux bloc de texte principal. Et si j'affiche les chaînages, voilà, vous voyez que effectivement tous les blocs de texte sont chaînés d'une page à une autre. Alors là, du coup, je me retrouve avec une seule story ou un seul article en français dans InDesign. Un article, c'est-à-dire une suite de caractères de texte à l'intérieur d'un bloc de texte ou de plusieurs blocs de texte chaînés entre eux.
Alors, quand on copie-colle du texte depuis Acrobat, vient tout de suite un premier truc, c'est que ça copie-colle les retours chariots. Alors, on va nettoyer un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on garde la structure du document Acrobat, mais on ne garde pas du tout la structure du document qui a servi à le créer. Exact. Ce qui est tout à fait, ce qui est ultra pratique lorsqu'on garde le PDF dans Acrobat. Hein, juste, Et d'ailleurs, si le PDF avait été fait exactement dans les dimensions ou par rapport à ce qu'on avait besoin d'utiliser, on pourrait tout à fait le placer toutes les pages du PDF dans InDesign. Ça peut être un autre flux de travail. Ici, on va vraiment travailler sur le texte en tant que tel. Mm-hmm. Donc, on a besoin de nettoyer. J'ai besoin de retrouver, en fait, un peu la structure logique, la structure normale du texte. Donc là, je suis venu dans le menu texte, afficher les caractères masqués, ce qui nous permet, du coup, de voir les retours chariots, là, les petits pieds de mouche qui se trouvent ici. Et il va falloir que je remplace tous ces petits pieds de mouche par une espace. Justifiante, un espace de la barre espace. Alors évidemment, il va falloir que je fasse ça uniquement sur les retours chariots dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire là ici entre pour et quelques, entre forme et régulière, mais pas celui-là, parce que lui a priori c'est une fin de paragraphe normale, donc il a toutes les raisons d'exister. Pareil après celui d'introduction ou après celui de la pierre doit être sculptée. Alors, je vais me servir d'un recherché remplacé pour pouvoir faire ça sur l'ensemble du document. Et je vais faire dans le menu édition recherché remplacé, je vais faire un recherché remplacé en grep. Alors, est-ce que ça parle à tout le monde le grep ou pas ? Petit oui, un petit non, grep. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler ça, de ça ? Ou est-ce que, comme c'était la chandeleur, vous faites une erreur et vous parlez pas du tout de la bonne chose ? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. C'est ça, on est très preneur de vos avis et de l'avancement de tout ça. Pour introduire le grep, c'est un langage qui permet de détecter des caractères, qui est pas propre à InDesign, hein, c'est un langage qu'on retrouve dans beaucoup d'environnements. À la base, il a été créé pour les machines fonctionnant sous Unix, mais vous le retrouvez dans InDesign, vous le retrouvez dans le JavaScript, vous le retrouvez dans le PHP, dans le Python, etc. Tout ce qui nécessite un peu d'automatisation des recherches. Voilà. En fait, dans InDesign, en tout cas, on va s'en servir pour faire du recherché remplacé avancé et aussi pour faire de la stylisation imbriquée, c'est-à-dire appeler des styles de caractères à l'intérieur des styles de paragraphes. Donc, il y a ces deux utilisations dans InDesign. Une troisième qui est dans les scripts, mais là, on sort un peu du cadre d'une utilisation classique d'InDesign. Pour répondre à ta question, Mickaël, peut-on ajouter un bloc de texte principal si on a oublié de le faire à la création du doc? La réponse est oui, et on peut même choisir quel est le bloc de texte principal si jamais on en a plusieurs à l'intérieur du gabarit. Alors, peut-être que je montrerai ça tout à l'heure, mais il est tout à fait possible de le faire. Alors, donc, ici, le grep va me permettre, en fait, va m'offrir la personnalisation de ce que je recherche, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne veux pas faire sauter ce retour chariot-là. En revanche, je veux prendre celui-ci. Qu'est-ce qui caractérise le retour chariot que je veux faire sauter? Ben, en fait, c'est que, avant lui, il y a une minuscule, et après lui, il y a une minuscule. A priori, là, il y a un point, et après ce retour chariot, il y a une majuscule. Donc lui, je veux pas le prendre. Ceux que je veux prendre, c'est ceux qui ont une minuscule devant et une minuscule derrière. Et c'est eux que je vais remplacer par une espace. En grep, le plus difficile, c'est pas l'apprentissage du langage, mais je dirais c'est réussir à identifier ce qu'on cherche et pourquoi est-ce qu'on cherche celui-ci. Qu'est-ce qui caractérise ce caractère comme étant celui qu'on cherche à remplacer. Et alors, il y a des pièges aussi. Puisque je vais pas en avoir sur cette page là, je vais voir si j'en ai un peu plus bas. Des fois on peut se dire, ah bah c'est super, en fait bah c'est ça la solution, c'est la minuscule qui est devant et la minuscule qui est derrière. Oui, mais des fois devant il peut y avoir autre chose qu'une minuscule, il peut y avoir une virgule, il y en a une un peu plus bas, voilà. Donc c'est à dire qu'en fait c'est pas toujours que de la minuscule. Je vais dézoomer, ce sera un peu mieux. On peut avoir des virgules. Bon, il y en a une quelque part, donc elle va sauter aussi. Alors du coup, je vais concevoir ma regex, donc le petit morceau de code qui correspond au grep, en tenant compte du fait qu'il puisse y avoir une minuscule ou une virgule. Alors la minuscule, ça se dit backslash L, comme lowercase en grep, et je vais dire où,
et je viens chercher où la virgule. Et je vais mettre tout ça dans une boîte. Donc, si je zoome un peu parce que l'interface est un peu fine, on a donc, je cherche soit une minuscule, soit une, la virgule. Et puis, je cherche aussi le retour chariot. Ça, ça se dit retour chariot. Et derrière ce retour chariot, j'ai directement, je retrouve une minuscule. Alors là, a priori, je ne devrais pas avoir de virgule en début de ligne. Ce serait bizarre d'en avoir une. Donc, je cherche ça. Alors, je peux déjà tester un peu ma Rajax, voir ce que ça donne. Alors, je suis bien au début de ma story, là, puis je fais suivant. Donc, vous voyez, il me trouve bien ici, donc la minuscule qui se trouve juste avant le retour chariot, donc le E, le retour chariot et le R derrière. Si je fais suivant, j'avais la virgule juste là, tiens, j'étais passé à côté tout à l'heure. Donc, contour, virgule, et puis le retour chariot suivi de la minuscule derrière. Alors attention, avant d'appuyer sur le bouton remplacer ici, le bouton tout remplacer, hein, c'est le bouton de la bombe atomique. Hein, quand on fait du grep, c'est-à-dire quand on clique dessus, il faut vraiment être certain de savoir ce qu'on fait. D'avoir validé les recherches, ouais, d'avoir testé aussi, peut-être. D'avoir testé, etc. Surtout quand on lance le rechercher remplacer dans le document. Donc il faut avoir bien bordé la chose. Et là, il se trouve que pour l'instant, c'est pas du tout bordé, parce que si je remplace ce que InDesign trouve avec le grep par une espace, eh bien, vous imaginez bien ce qui va se passer. Il va remplacer la virgule, le retour chariot et la première minuscule. Donc, je risque de me retrouver avec des erreurs d'orthographe qui n'existent pas dans le cadre original et que j'ai créé en faisant mon recherche à remplacer. Donc là, il va falloir que je dise à InDesign, alors ok, j'ai besoin de vérifier qu'il y a une minuscule et une virgule devant, mais je veux pas l'attraper, ce caractère-là, je veux pas l'avoir. Donc je vais rajouter un super look behind, donc je complète ma Rajax. Alors ça, c'est un petit code qui dit qu'en fait, tout ce qui se trouve devant ce code-là, je m'en sers pour l'identifier. J'ai besoin de vérifier la présence de ces caractères-là. Par contre, je veux pas les attraper. Et je vais faire la même chose derrière, donc après le retour chariot, en utilisant un look ahead positif, qui s'écrit un peu différemment, puisque ça s'écrit comme ça. Donc je viens mettre ça dans une boîte. Et donc en fait, là ici, je dis, voilà, derrière le retour chariot, il doit y avoir, c'est obligatoire, il doit y avoir une minuscule, un caractère minuscule. Par contre, je veux pas l'attraper. Donc je veux identifier, mais je ne veux pas l'attraper. Alors du coup, si je me remets un petit peu plus haut, voilà, je fais suivant, voilà, il continue de m'attraper le bon retour chariot, mais il ne m'attrape que ça pour l'instant, il ne m'attrape plus que le retour chariot. Il ne m'a pas attrapé celui-ci malgré le fait que ce soit un N minuscule dans l'introduction, parce que derrière c'est un V majuscule. Donc, ben, la Rajax colle pas, donc il l'a pas attrapé. Il a attrapé celui-ci seulement. Si je fais suivant, il attrape forme. Si je fais suivant, il attrape ici, à contour, virgule, et il attrape juste le retour chariot. Et là, maintenant, c'est safe, disons, et je peux remplacer par une espace normale qui se dit backslash S comme space. Voilà. Et maintenant, on peut y aller. On croise les doigts, tout remplacer. Tu me fais confiance, Franck ? Je te fais entièrement confiance, tu sais. Boum. Et là, on a 282 modifications effectuées en un clic. C'est terminé. J'ai nettoyé un peu les retours chariots qui étaient présents à l'intérieur du texte. Et j'ai a priori gardé quand même les retours chariots qui sont là pour marquer les sauts de paragraphe. Alors. On en est là, on choisit... donc là, mon texte, il est nettoyé. On choisit la fonte. On choisit la fonte. Allez. Choisit la fonte. Je vais reprendre la main. Ouais. Je reprends la main. Tchac. Je vais repasser sur mon ordi. Et m'y revoilà. Enfin, nous y revoilà, en tout cas. Donc, comme tout à l'heure, je vous avais dit, on a besoin de réfléchir un petit peu à cette mise en forme. Et quand on est sur InDesign, on sait déjà le faire, on sait déjà choisir les typos qu'on a sur l'ordi. Par contre, il y a des tas de moments où on n'est pas tout à fait sûr du style de caractère, etc. Et donc, la recommandation, si vous êtes sur votre InDesign et que vous créez un document, il y a toujours ce petit moment où on peut aller chercher. Je vais me faire tout simplement un bloc de texte pour tester. Idéalement, je me ferai un bloc de texte avec du texte de substitution à la bonne taille. Je vais vous le mettre en plus grand. Oups, pardon. En plus grand pour que vous profitiez un petit peu plus de ce que je vais, de ce qu'on va raconter. Et ce qu'on va faire là-dedans,
c'est qu'on va aller choisir les typos. Et choisir les typos, par défaut dans InDesign, eh bien j'ai accès à toutes mes polices de caractère. Petite nouveauté depuis quelques temps, mais j'espère que vous l'avez vu passer, c'est que quand je modifie mon texte ici, j'ai bien le changement en survolant le texte directement de toutes les fontes. Mais je peux rechercher, et ça c'est une vraie, c'est un vrai plus sur InDesign, c'est que je peux rechercher à tout moment davantage de fontes. Et donc je vais pouvoir rechercher, filtrer, je veux une typo serif, sans serif, etc. Et je vais pouvoir tester tout ce qui existe dans le Creative Cloud. Et je vais pouvoir le tester sur le vrai texte. Donc je vais vraiment voir le type de rendu et je vais pouvoir styler tout ça. Mais parfois, c'est pas suffisant non plus. Vous arrivez pas à sentir vraiment de quelle manière vous allez pouvoir vous faire aider. Et donc là, l'astuce, elle a toujours lieu via le Creative Cloud, via vos applications. Tout en bas, vous avez accès aux liens vers les ressources et le site notamment de fonts.adobe.com. Ce site-là, donc dès que vous êtes sur le Creative Cloud, vous avez accès, comme vous pouvez le voir, à 1847 familles de police. Ce qui fait un bon paquet. Yeah. Et surtout, ce sont des familles de police officielles, c'est-à-dire que les créateurs et les studios sont rémunérés raisonnablement pour ça. Et vous pouvez filtrer tout de suite par langue, parce que si vous comptez faire un livre dont vous êtes le héros en français, vous avez intérêt à ce que tous les accents, toutes les cédilles soient présentes, toutes les diacritiques soient prêtes. Ça vous laisse quand même 1720 familles, mais au moins vous êtes sûr de pas trop vous rater. Vous allez pouvoir choisir les cursives, les égyptiennes, les sérifs, les sans-sérifs, etc. Et si vous arrivez toujours pas à vous caler, ben non, mais j'ai pas l'inspiration aujourd'hui, je passe dans les jeux de police, et dans les jeux de police, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, j'ai des exemples de typos qui ont été utilisés, qui ont été appliqués dans des cas particuliers, les polices Spark, les polices pour une marque, pour une brochure de voyage, j'ai peut-être retrouvé des petits contenus qui m'inspirent un petit peu plus, où je me dis, tiens, ouais, c'est plutôt ça commence à me plaire. Tiens, on va regarder les polices pour l'impression. Et quand je regarde les polices pour l'impression, je vois quelques exemples et je me dis, ouais, tiens, c'est cool, celui-là, pour l'impression, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Et du coup, je vais pouvoir lui demander, ici, quand je sélectionne quelques-unes des typos, il va me dire, voilà, là, tu as choisi celle-ci et celle-là qui vont fonctionner ensemble. Donc la Marco Régular. Ok. Et Marco Régular, en fait, eh bien, quand je vais regarder ici dans ma page, je vais pouvoir éventuellement activer toutes les polices pour 180 jours, parce que à terme, si je m'en suis pas servi pendant 179 jours, autant la refermer. Mais par contre, je vais pouvoir dire, ben voilà, Marco Régular me plaît, je vais la sélectionner et je vais activer les 6 polices de caractère qui font partie de ce texte. Et non seulement je vais activer ces 6 polices de caractère, mais quand je vais retourner dans mon InDesign, et je vais le voir à la fois ici, je vais le voir sur la petite icône là-haut de mon Creative Cloud, attendez, on va se décaler un petit peu, il est en train de synchroniser les images, synchroniser les typos, et il va me prévenir que la police de caractère a été activée. Et donc, une fois que ma police de caractère sera activée, hein, il me prévient, là, il est en train de synchroniser un certain nombre de fichiers, eh bien, quand je vais être sur mon InDesign, je pourrai désormais choisir cette police. Donc, dans mes caractères, je pourrai taper Marco. Alors, elle n'est pas encore activée, j'ai pas encore reçu l'alerte. J'espère que ça va venir quand même. Ça m'arrangerait bien. Moi, je vais faire la même chose aussi, du coup, sur mon... Tout à sur fait. Mon document, mais moi, je vais le faire directement depuis InDesign, en fait. Toi, tu vas le faire direct dans InDesign, voilà, comme ça, que... tu auras le lien et la synchronisation voilà. Dans la foulée. Que se passe-t-il si on choisit une police de fonte Adobe et qu'ensuite on n'a plus d'abonnement à Adobe? Est-ce qu'elle reste OK dans le doc InDesign? Alors justement, c'est une super bonne question, Delphine. En gros, ce qui se passe quand vous utilisez ces polices de caractère, c'est que effectivement, elles font partie, elles sont liées à votre doc. Donc, si vous avez besoin d'imprimer, vous avez fabriqué votre document pendant que vous aviez votre abonnement, vous avez exporté un PDF pour travailler, ce PDF incorpore la police et il est très bon pour faire de nouvelles impressions. Si par contre, vous devez modifier le document dans InDesign, ça veut dire que vous aurez à nouveau accès à un abonnement Creative Cloud et donc vous aurez à nouveau accès à la police de caractère. Et si vous devez transmettre votre document à un autre utilisateur, eh bien lui aussi utilisera la police de caractère qui fait partie de fonts.adobe.com. J'espère que ça répond à la question de manière un petit peu plus simple. En tout cas, toujours est-il que quand j'ai choisi ma typo, qu'elle soit renseignée ou pas, visiblement il est en train de faire du chargement ici chez moi. Hop.
Ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple lui dire, bah, tiens, en termes de style, on va pouvoir utiliser dans les polices les plus récentes et dans les polices du Creative Cloud, etc. Je vais pouvoir tester des choses. Je vais te mettre peut-être aussi, parce que je trouve que ça marche bien et je sais que tu ne n'iras pas, je vais mettre une Mrs. Eves là-dedans. Et ce bout de texte que j'ai choisi, eh bien, je peux aller l'utiliser dans les bibliothèques Creative Cloud. On a notre bibliothèque livre dont vous êtes le héros, et dans cette bibliothèque, en plus des illustrations, petit plus, je peux rajouter le style de caractère ou le style de paragraphe. Donc là, je vais te mettre le style de paragraphe, même si je te laisserai largement nettoyer tout ça. Ça, ce sera plus pratique par la suite. J'ai pas encore chargé la police Marco. Pour l'instant, il est tranquille. Okay. Marco est quelqu'un de très calme. On repasse sur ton écran, si tu veux. Ouais, bah moi, je vais le faire aussi. Je suis en train de l'installer, en fait. Du coup, ce qui est pratique aussi, là, c'est que maintenant que toi, t'as choisi, bah, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire activer les fontes. Ça y est, elles sont en cours de chargement, donc je les vois arriver ici, à l'intérieur du Creative Cloud. Là, je vois ici toutes les fontes qui sont synchronisées avec mon compte, et donc normalement, je devrais voir le Marco, voilà, il est là, qui est arrivé à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, je peux tout à fait venir l'utiliser sur le texte. Attends, je t'interromps une demi-seconde. Je vais juste vous montrer un truc de boulette, mais hyper classique. Donc, je mets mon écran dans un coin. Tout à l'heure, je me disais, mais il a pas chargé la police, gna gna gna. Il a pas réussi à trouver Marco. Aucune concordance trouvée. Et je vais vous remettre le point important du truc. Très régulièrement, vous faites comme moi, vous êtes en train de chercher un nom de police, pas dans la bonne classification. Ah bah... N'oubliez pas d'effacer, parce que la police Marco, elle est là depuis le début. Ça avait bien elle a juste, voilà, ça avait super bien fonctionné, mais c'était ce qu'on appelle un bug utilisateur. Ah. Voilà. Comme 80% des bugs. Tout à fait. Ouais, tout à fait, Richard, sur le contournement, mais cette sécurité, justement, je pense qu'elle permet vraiment de travailler sur le document tel quel. Et bienvenue Hardcore qui arrive à la bourre. C'est pas très très grave, on est là. Alors, du coup, je vais la chercher. Alors, je vais prendre le régular. Alors, je la connais pas, cette fonte, hein. J'ai jamais travaillé avec, mais voilà. On va voir si elle est aussi bien qu'elle en a l'air. Oui, bah, elle m'a l'air très bien. Elle a un petit œil. Les caractères sont très ramassés, mais c'est très bien. Ça va nous permettre de jouer un peu avec. Donc là, je l'ai appliqué pour l'instant à l'ensemble du texte. Et alors, moi, c'est comme ça que je travaille. Après, il peut y avoir d'autres méthodes, mais je vais créer tout de suite un style de paragraphe. Alors je vais me mettre sur 11 points pour l'instant, on va voir un peu comment je le règle plus tard. Alors je vais aller dans le menu fenêtre, style de paragraphe. Alors ça c'est vraiment extrêmement important. Je vois encore beaucoup trop de graphistes qui font des fichiers InDesign sans style, et pourtant vous allez voir le temps qu'on peut gagner à l'utilisation des styles. Tiens, vous avez vu au passage aussi que la petite icône de la création de quoi que ce soit, d'ailleurs dans toute la suite 2020 a changé, maintenant c'est plus la petite feuille page cornée, c'est le petit bouton plus. C'est ça. Qui a été uniformisé avec tous Photoshop, les softs, hein, ouais, InDesign, Illustrator. Vous allez retrouver tout ça un petit peu partout pour pouvoir... pour ne jamais être perdu. Ouais. Alors, et pendant ce temps-là, je te poursuis les images. Ça roule, super. Ça a l'air très beau. Moi, j'ai un visuel d'ici, les autres n'ont pas, c'est super. Alors, texte courant, je l'appelle texte courant pour l'instant. Je fais rien d'autre que appliquer le style à la sélection. Hein. Tout est à l'intérieur de... Tout est sélectionné. Et ça va me permettre, en fait, ensuite, de gérer le texte et de faire des modifications du texte directement dans le style de paragraphe et voir si ça s'applique partout après. Et puis ensuite, alors on va différencier les appels de chapitres, parce qu'on va commencer par ça. Et les appels de chapitres, on va les mettre dans une couleur différente. Alors je viens créer une nouvelle couleur, on va se faire un petit rouge à 9500. Je vais commencer comme ça aussi, 0 là, voilà. Après c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut venir modifier par la suite si on en a envie. Je vais monter le corps, ou pas. Non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je vais simplement donc créer un nouveau style de paragraphe, puisque là donc j'ai enrichi le texte courant, donc il va falloir que j'en crée un nouveau, en disant d'être basé sur aucun style, et lui je vais l'appeler... chapitre, c'est comme ça qu'on va appeler ça. Voilà, chapitre. Parfait. Bon. Première chose. Là, j'ai créé a priori les deux styles de paragraphe les plus importants.
qui vont être donc le texte courant et les numéros de chapitre. Et je vais appliquer, enfin j'ai déjà appliqué le texte courant à tout le texte, donc maintenant il faut que j'applique le texte chapitre à l'ensemble des appels qui se trouvent ici. Et là encore, je vais encore me servir du rechercher remplacé. Là encore, je vais me servir du grep pour le faire, puisque dans le rechercher remplacé, j'ai la possibilité, au lieu de rechercher des caractères et les remplacer par d'autres, je vais rechercher des caractères pour leur appliquer un style de paragraphe. Alors là, du coup, ce que je cherche, c'est quoi? Ce sont les chiffres qui sont tout seuls, en début de ligne et en fin de ligne. Alors, le début de paragraphe, en grep, ça se dit circonflexe, donc on fait juste un simple circonflexe, et puis derrière ce circonflexe, on va chercher un ou plusieurs chiffres, donc backslash d comme digit, et plus pour dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Et tout ça est situé en fin de paragraphe. Donc le symbole dollar, ça permet d'indiquer que bah, l'ensemble de chiffres ici est situé, elle aussi, en fin de paragraphe. Donc là, a priori, ça va me trouver que les paragraphes constitués de chiffres. Voilà, ça me trouve que ça, que les chiffres qui sont tout seuls en fin de paragraphe. Parfait, je les remplace par rien du tout, enfin je les laisse comme ça. Par contre, je vais changer le format. Et je vais dire, bah voilà, tout ce que tu trouves, a priori, il va être en style de paragraphe texte courant, et je vais lui demander d'appliquer le style de paragraphe chapitre. Je valide, pouf, pouf, 38 modifications effectuées, on avait bien 38 chapitres, donc là, tous mes chiffres portent bien le style de paragraphe chapitre. Alors maintenant, on peut commencer à designer tout ça. Et pour designer ça, on va se rendre à l'intérieur des styles de paragraphe. Et là, du coup, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Donc je viens modifier le style de paragraphe chapitre. Et puis on va commencer par... Alors je vais le mettre ici un peu à côté. On voit le... Je vais remonter là. Est-ce que je peux remonter comme ça? Je vais le mettre... Alors je vais faire annuler, je vais essayer de montrer les pages où il y en a un peu plus, voilà. Je nettoie un peu mon interface, clic droit à chapitre, modifier chapitre, et on va commencer avec des espacements, retrait espacement, donc on va rajouter des petits espaces avant. Alors j'ai corps 11 interligné à 18, donc ça fait 13,2 points, je vais montrer donc comment est-ce qu'on fait un espace avant ou un espace après en respectant l'interlignage, hein, puisque la distance entre les lignes est basée par défaut à 120% du corps. Et donc là, par contre, les espaces avant sont exprimés en millimètres, mais il est tout à fait possible de mettre une valeur en points. Donc ici, par exemple, je vais mettre 13,2 points, PT, pour points. Et InDesign va faire, oui, il faut mettre des virgules, pas des points d'interrogation, 13,2 points. Et InDesign va faire la conversion. Voilà, il fait la conversion en millimètres. Donc là, maintenant, j'ai un espace avant, les chapitres, qui sont... qui correspondent exactement à l'interlignage du texte courant. Donc ça me permet comme ça d'être cohérent dans mon nombre de lignes, si j'ai besoin de le compter, on verra tout à l'heure. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est mettre l'appel, donc le chiffre du chapitre, à gauche du texte, puisque dans l'inspiration qu'on a choisi tout à l'heure, c'était ce qu'on voulait faire. Bon, alors pour ça, il va falloir tricher un petit peu. Et je vais demander à InDesign de faire un décalage de la ligne de base, voilà, ici. Donc je vais faire un petit décalage vertical, hop, et je vais venir me décaler ici. Donc là, je viens poser le 16 sur la ligne de base du paragraphe qui se trouve en dessous. Et ensuite, alors je valide ça. Ah tiens, langue anglais, on va en profiter, on va mettre langue en français. Pourquoi je mets langue en français? Ah bah tu veux expliquer? Ouais, je vais bien expliquer ce petit morceau-là, ça te permet de te reposer. La langue, ça va vous permettre de gérer ce qu'on appelle le dictionnaire, donc toutes les césures. Non, bah coupe la clim. Voilà. Ça va nous permettre en fait de gérer les différents retours à la ligne, on va pouvoir gérer tout le contenu en termes de césure. Vous allez pouvoir fabriquer tout ça, et même la recherche d'orthographe. Et alors je vois Cécilia qui nous dit « je suis un peu perdu ». Rassurez-vous, vous pourrez regarder le replay au calme pour avoir toutes les petites astuces. Pour l'instant, on fait dans les grosses lignes, et c'est vrai qu'il y a plein de petits points. Et pour FDub qui nous demandait ça durait jusque quelle heure, là il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes pour mettre en place ce livre. Oui, là on a presque fini en fait là, parce que maintenant que les styles sont créés, le reste va se faire tout seul. Donc là j'ai fait descendre le chiffre sur la ligne d'en dessous, et ensuite je vais modifier texte courant. Donc modifier le style de paragraphe texte courant, et lui dans retrait espacement je vais demander de faire un retrait à gauche, et je viens pousser ici le retrait à gauche, voilà.
Alors, je vais pour l'instant laisser la valeur à 6 mm. Voilà. Et donc, logiquement, voilà, on a pour chaque page et chaque appel, ça c'est toujours un paragraphe, sauf que ce paragraphe-là, je vais réafficher les, voilà, ce paragraphe 13 là ici, il est avant le paragraphe de texte qui se trouve ici, mais comme je l'ai fait descendre de sa propre ligne de base à lui et qu'ensuite j'ai décalé le texte courant qui se trouve en dessous, bah ça me permet d'obtenir ce petit effet qu'on avait identifié dans la référence récupérée sur Behance. Tout à fait. Voilà, mais en conservant toujours le fait que ce soit un paragraphe. Voilà, alors là, du coup, a priori, on a déjà pas mal de choses qui sont mises en place. Alors, je vais régler un petit peu mon texte courant. Alors, justement, on va aller regarder les réglages de césure. On va faire un truc ultra classique, mais ça permet d'en parler. Les césures sont activées par défaut lorsqu'on place du texte dans InDesign. Et pour les gérer, moi, j'ai un petit réglage. C'est toujours le même, il n'a pas changé. C'est le même. Tu le gardes depuis le début, voilà, celui-là. C'est un 6-3-3-2. 6-3-3-2. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, on est sur un 5-2-2-3. C'est-à-dire qu'InDesign coupe les mots d'au minimum 5 lettres après les deux premières lettres, avant les deux dernières lettres du mot. Ouais. Et il autorise jusqu'à 3 césures, l'une en dessous de l'autre, à l'intérieur du paragraphe. Bon, alors moi, je restreins un peu ces valeurs-là. Et puis, je vais défaire la césure sur les mots en capital, la césure sur la colonne. Alors la colonne, ça peut être deux colonnes de texte côte à côte, mais c'est aussi deux blocs de texte chaînés. Ça oui. évite d'avoir un mot coupé, page de droite qui redémarre page de gauche. Qui va redémarrer page de gauche, voilà. Et ça va être moins élégant. Voilà. Et pas de césure sur le dernier mot. Et en revanche, alors si on met des césures, eh bien, il va falloir choisir un alignement justifié à gauche, ici. Voilà. Donc là, on va avoir le travail de justification du texte qui s'effectue. Je valide ça. Voilà. Et alors, oui, je pourrais modifier la justif. Ouais, je vais aller faire ça. Okay. Tac. Pardon. Je vois qu'on a Richard, spécialiste de la justification du texte. Ouais. Alors, du coup, la justif. Alors. Pareil, là, c'est un peu trop élastique, à mon goût, hein, mais c'est juste ça. C'est-à-dire que, alors, par défaut, l'intermot est à 80%, c'est-à-dire cet espace-là, qui est l'espace justifiante, on l'appelle justifiante, parce que c'est elle qui nous sert de coussin, en fait, pour pouvoir caler les textes du bord gauche vers le bord droit. Donc cet espace justifiante, qui va être réglé dans l'intermot, elle est par défaut, on peut l'utiliser à 100%, mais on a le droit de la serrer à 80%, et on a aussi le droit de la monter par défaut à 133. Moi je trouve que ça c'est un peu trop fort, donc je la réduis, je mets ça à 120. Par contre, comme je restreins un peu l'augmentation de l'intermot, il va falloir que je devienne un peu plus tolérant sur l'interlettrage. Et là, par défaut, InDesign ne joue pas sur l'interlettrage. Et moi, je vais lui dire qu'éventuellement, il peut jouer de moins 2% à 2% de la valeur initiale de l'interlettrage. Est-ce que ça parle à tout le monde, tout ça, en dehors de Richard qui justifie tout ça? Ça vous parle, justement, le fait de composer votre bloc de texte pour être sûr qu'il soit le plus élégant possible, pour être sûr qu'il soit le plus lisible possible et qu'on ait un gris uniforme sur sur la page. Ça fait partie des petites techniques, des petites méthodes qu'on utilise en édition pour ça. Et on peut tout à fait les appliquer, vu qu'on va faire de la sortie sur du PDF en finale. Donc, des sorties sera l'export PDF. Ouais. Après, en fait, effectivement, ce réglage-là, c'est ce qui permet de gérer l'élasticité du texte. C'est-à-dire, comment est-ce que votre paragraphe va rentrer et va prendre sa place à l'intérieur de votre bloc de texte. Et le travail de maquette dans InDesign, c'est un travail qui est passionnant, aussi parce qu'il est ingrat, dans le sens où il est bien fait quand on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que si on a du mal à lire un texte, c'est sans doute parce que il y a des incohérences à l'intérieur, enfin dans l'utilisation de la typo ou dans la justification du texte, etc. Et ça passe par plein de petites choses, dont les réglages de césure et les réglages de la justification. Il n'y a pas que ça évidemment, mais il y a plein d'autres choses. Mais ça en fait partie.
Alors c'est pareil, on a à peu près les mêmes réglages du coup, je vois Richard, mais je suis un peu plus tolérant pour le coup sur l'intermo. Tu resserres un peu. Mais voilà, après chacun a ses propres réglages de base. Évidemment, ça s'adapte. Il faut le personnaliser suivant les fontes que vous utilisez. Hein. Des fontes à empattement ne vont pas avoir exactement le même réglage que des fontes sans empattement, sans sérif. Des typos type Verdana qui sont très très rondes vont pas avoir les mêmes interlettrages que des typos type DIN condensés qui vont être beaucoup plus serrés par exemple. Mais voilà, donc tout ça s'adapte en fonction de la fonte que vous utilisez. Et puis il y a autre chose, puisqu'on est en train de parler de ça, quelque chose qui ne se règle pas dans les styles de paragraphe, c'est qu'une fois qu'on a géré les césures et la justification du texte derrière, mais en fait nos césures, si on regarde un petit peu, elles font partie du bloc de texte. Quand je sélectionne le bloc de texte, ici, la césure fait partie du bloc. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui est assez méconnue, mais qui va nous permettre d'équilibrer les blancs sur les extérieurs de nos paragraphes. Parce que là, ici, j'ai essayé de trouver un texte un peu plus conséquent dans lequel il y en a. Voilà, ici, si on regarde de loin, en fait, cette césure, ou celle-ci même, donne un aspect un peu creusé dans le texte, comme ici la sculpture, on a l'impression que il y a comme un trou là, ici dans notre bloc de texte. Et cette fonction, il y a une fonction qui permet de régler ça. Et cette fonction, elle est rangée dans le panneau article, hein, dans le menu fenêtre, texte et tableau article. Alors attention, méfiez-vous. Ouais. Ouais, il y a deux panneaux articles. Il y en a un au pluriel et l'autre au singulier. C'est celui qui est au singulier qui m'intéresse, celui qui est rangé dans le texte et tableau. Article, il a une option. Aligner optiquement les marges ou pas. Donc, c'est facile. C'est on décoche. On coche ou on décoche. Donc je coche la case, j'aligne optiquement les marges. Par contre, après, une fois que j'ai coché la case, il m'invite à rentrer une valeur de corps. Et cette valeur de corps, souvent, on vient indiquer le corps du texte courant. Donc moi, je l'avais mis à 11, donc je viens mettre ici la valeur à 11 points. Et alors, ça s'applique à tous les blocs qui comportent le texte, c'est-à-dire en fait ça s'applique à tous les blocs de l'article en question. Et quand on regarde du coup ce qui se passe, ben on se rend compte que le caractère de la césure sort du bloc de texte à droite. Et du coup, ça vaut pour le caractère de la césure, mais ça vaut aussi pour les ponctuations. Tout ce qui va être virgule, voilà. Etc. va se retrouver à cheval. Exactement. Des crochets fermants, des choses comme ça. Et là, du coup, si on refait un peu le même exercice, la même expérience que tout à l'heure, bah, on a beaucoup moins de creux. Enfin, cette sensation de creux a disparu et on a quelque chose qui a l'air optiquement équilibré. Alors, techniquement, c'est pas aligné, mais optiquement, ça l'est. Alors, c'est ce genre de petits détails qui participent à la qualité d'un ouvrage et qui aident à la lecture. Il faut qu'on avance un petit peu. On parle de références croisées, du coup, puisque ouais, là, on va considérer. Ça va être le point le plus important pour nous. Là, on va considérer que ça y est, on a placé un peu nos chapitres et nos textes courants. Éventuellement, on pourrait revoir un peu les choses. Mais alors, donc, sur les appels, puisque après, il va falloir qu'on dynamise un petit peu tout ça. Alors, après le 1, voilà, il nous dit, si vous voulez continuer à la lumière des lampes, rendez-vous au 15. Si vous préférez en rester là aujourd'hui, rendez-vous au 8. Alors, il fait référence à quoi? Bah, il fait référence au numéro de chapitre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rendre dynamique. Et pour le rendre dynamique, on va se servir de la fonctionnalité des références croisées. Alors, rendez-vous au 15. Donc, je sélectionne le 15. Et puis, je vais aller dans le menu texte, hyperlien et référence croisée. Et je vais choisir l'option insérer la référence croisée. Alors je zoome un peu dans le panneau, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des références croisées, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Mais l'idée c'est que on va aller dire à InDesign qu'on cherche des textes qui portent la feuille de style chapitre, donc le style de paragraphe chapitre, donc encore un intérêt s'il fallait montrer l'intérêt des styles de paragraphe, et on va lui demander... parmi les textes qui portent chapitre, vous voyez qu'ici il me recense tous les textes qui portent chapitre. Et on va lui demander d'afficher 15. Toc. Donc on va chercher 15. Et alors vous voyez qu'on a un aperçu de ce qui se passe, rendez-vous au 15, il a remplacé ce que j'avais sélectionné, mais il l'a mis dans des guillemets, et en fait, on va personnaliser l'affichage de cette référence croisée en cliquant sur le petit crayon qui se trouve à droite de format ici. Donc je clique dessus,
Et en fait, j'ai la possibilité de mettre le paragraphe entier suivi du numéro de page, si ça m'intéresse. Mmh. Alors, on va le faire pour l'instant. Et je vois qu'ici, il y a des petits codes. Alors, full para, c'est pour dire qu'on veut tout le paragraphe. Page num, c'est pour dire qu'on veut le numéro de page. Et puis, la virgule espace page, bah, ça, c'est du texte en dur, quoi, qu'on peut modifier. Y compris, d'ailleurs, les petites ponctuations, pardon, guillemets, qui se trouvent ici. Donc, elle, je les supprime. Voilà. Je vais appeler ça, je vais le renommer, je vais l'appeler personnalisation livre héros. Mmh. Voilà. Enregistrer, donc du coup je le retrouve dans la liste de mes références croisées, et je dis OK, voilà. Je valide, et là vous voyez que du coup j'ai bien rendez-vous au 15, page 11, c'est-à-dire ce que j'ai demandé d'afficher sur la référence croisée. Exactement. Et alors là, ici, on s'en rend pas vraiment compte pour l'instant, mais il se trouve que le lien existe, donc on va aller voir sur la page 11, on n'a pas fait de faux duo d'ailleurs, donc je vais dézoomer un peu, passer par le panneau page, on va aller voir sur la page 11, voilà. Donc le lien existe entre le chapitre numéro 1 et le choix du chapitre numéro 1 et le chapitre numéro 15. Mmh, et là, ici, quand on fera l'export en PDF ou en Publish Online, lorsque vous cliquerez sur voir la page 11, eh bien, vous serez amené directement dessus. D'accord. Et évidemment, inutile de préciser que si on édite le texte et que le paragraphe va changer de page, mmh, eh bien, la référence croisée va devoir être mise à jour. D'accord. Ouais. On va avoir un petit panneau qui va recenser toutes les références croisées. Et donc là, bah, je vais te repasser la main. Alors, je vais peut-être en faire une deuxième. Je sais pas si tu as besoin de me repasser la main. Parce qu'en fait, la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de réaliser les illustrations sur Fresco et le passage entre Fresco, Photoshop et autres, bah, j'ai continué un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le texte, et en lisant le texte, je voyais qu'il était au paragraphe 22, par exemple, en train de retravailler sur ses dessins et ses instruments, et puis au paragraphe 8, il rejoint son campement, et je suis pas du tout sur mon écran, mais c'est pas grave, voilà, il rejoint son campement, et donc il a une lampe, un sac de couchage, etc., etc. Voilà, donc on retrouve ces illustres-là. Et donc, exactement comme tout à l'heure, je suis repassé sur Photoshop, dans mon panneau d'accueil, je retrouve les dessins que j'ai fait en ligne, et je les ai ouverts dans Illustrator, je les ai intégrés aux bibliothèques. Donc là, on peut repasser chez toi. Ouf. Oh, ok. Et on est chez toi, donc pendant que tu es en train de faire ta petite mise en forme, bah, tu te rends compte que les illustrations que j'ai rajoutées de mon côté, elles sont arrivées, qu'elles sont nommées, donc elles sont nommées en plus avec le numéro de page, elles sont nommées avec la référence, tu sais que c'est un livre, etc. Mm-hmm. Donc tu vas pouvoir retrouver tout ça. C'est super, top, mm-hmm. On va pouvoir venir placer ça. Je vais continuer à insérer les références croisées en allant les chercher, chercher le panneau, puisque j'ai parlé du panneau hein, tout à l'heure des références croisées, qui est rangé dans le menu fenêtre texte et tableau, références croisées. Ouais, texte et tableau, allez pas le chercher dans les scripts ou les utilitaires, parce que c'est pas là, c'est texte. C'est étonnant d'ailleurs que ce soit dans texte et tableau, plutôt que dans les utilitaires, ah ouais, il y a pas mal de trucs de fusion. Ça me choque pas, moi. D'accord. Dans la mesure où ça reste du texte, et justement, c'est pas de la variable, ou... je sais pas quoi. Mmh. Ouais, chacun ses petites habitudes. Et je vais passer par le menu local du panneau, plutôt que de passer par le menu texte là-haut, pour insérer une référence croisée. Pareil, chapitre, et puis je vais chercher le 12, je valide, et il m'apporte ça au fur et à mesure. Alors, j'en profite. J'en profite ici, on a le 4 qui est tout seul, le pauvre, il est tout seul parce qu'il... Pourquoi il a été décalé? Parce qu'on a eu saut de paragraphe? Ouais, il y a... Non, c'est parce que... il y a effectivement un saut de paragraphe, mais mm-hmm. du coup ici, il sort... D'ailleurs, t'as vu, il sort du bloc. Et en fait, on va rendre solidaires les paragraphes entre eux. Mm-hmm. Notamment le titre du chapitre et le suivant. Enfin, le numéro de chapitre et le paragraphe suivant. Ouais, sauf qu'on fait rendre solidaire avec le précédent. Mmh. Donc, il va falloir qu'on prenne ça. Il va falloir... Parce qu'il y a plusieurs paragraphes. Donc, du coup, si on rend tout le monde solidaire, je vais avoir du texte indexé partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on va aller voir ce qu'on a dans les options. C'est pas très grave.
Est-ce que vous étiez déjà allé jusque-là dans votre document InDesign? Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très calés. Pour les gens qui découvrent, est-ce que ça continue de vous parler un petit peu, cette histoire de paragraphes et d'organisation des contenus? N'hésitez pas, hein, on est entre nous, personne ne le saura après. Ouais, parce qu'en fait, si je fais solidaire avec le précédent, bah si, ça y est, ça marche. Solidaire avec... solidaire, paragraphe et solidaire. Il suffit de demander de la solidarité sur une ou deux lignes et c'est ouais, suffisant. Ouais, c'est tout à fait. Paragraphe solidaire, je valide ça. Donc voilà, donc j'ai rendu solidaire le texte courant avec le paragraphe précédent. Et tout à fait, en fait, ça marche. Voilà. Et du coup, 4... Alors, c'est le texte courant hein, qui est solidaire avec le paragraphe précédent. Donc, celui-ci est solidaire avec le chapitre. Donc, automatiquement, le numéro de chapitre est, redevient collé. Voilà. Donc, ça, c'est indispensable pour réaliser cet aspect visuel d'avoir un petit texte qui descend et qui est collé au texte courant derrière. Bah, très bien, ça permet de voir des choses qu'on n'avait pas prévu de voir. Alors je continue sur les références croisées. Non, où je vais placer... Je vais venir placer du coup un dessin. Vas-y. Je place une dague. Allez, je viens placer une dague. Place une dague. Alors si tu veux, si tu trouves le 8, tu peux même directement placer le matériel de campement, le premier. Bien sûr. Le 8. Ouais. Il est là. Il est là. Vas-y, prends le matériel de campement qui est la première illus. Alors échappe pour vider ma souris et je prends le matériel de campement qui est ici. Voilà. Je vais faire un clic, je maintiens le clic et je trace un bloc. Ça, c'est pour tracer un bloc aux proportions de l'image qui se trouve à l'intérieur. Et puis, on va, du coup, je l'ai importé à 9%. C'est bien, tu m'as fait des belles illustrations. Oh, c'est du vecteur. Hein. Là, on ah, c'est du vecteur. Tu allez, peux on est zoomer tranquille. Autant que tu veux. Ok, parfait. Tu peux les réduire, les centrer à toi de. Voilà. Archi cool. Et puis, je vais faire un truc tout de suite aussi, c'est que je me crée un nouveau calque que je vais appeler image et dans lequel je vais venir le mettre pour le séparer de mon texte. Voilà. Les bonnes habitudes de compo. Voilà, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, il y avait aussi une dernière chose que je voulais faire, c'était rendez-vous au 24. Je me disais, peut-être ça pourrait être intéressant de faire quelque chose avec le chiffre, c'est-à-dire le mettre un peu en avant. Alors, peut-être pas rouge pour pas le faire confondre avec le numéro de chapitre, surtout qu'on n'a changé que la couleur, on n'a pas agressé, on n'a pas augmenté le corps, rien du tout. Mais peut-être qu'on pourrait le souligner. Qu'en ouais, penses-tu pas, ouais, avec pas. Plaisir. Oui, vu que c'est un lien, on peut ouais. utiliser les habitudes qui consistent à souligner les voilà. liens. Ouais. Notamment, pour un truc tout bête, c'est qu'en termes d'accessibilité, il est recommandé d'utiliser les bonnes pratiques d'accessibilité et souligner pour un lien, ça fait partie de ces pratiques. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire là-dessus. Donc, rendez-vous au 10, là, je vais récupérer ça, faire un soulignement. Alors, on va activer le soulignement là-haut. Alors, du coup, comme j'ai changé l'aspect visuel du texte, eh bien, je vais me retrouver avec un petit plus derrière le texte courant. Petit plus, je le rappelle, ça indique qu'il y a eu un remplacement. Et je vais indiquer à InDesign que c'est tout à fait normal en enregistrant ce remplacement sous forme de style de caractère. C'est à ça que ça sert, le style de caractère. Et donc, je vais dans le menu local, je choisis nouveau style de caractère et je viens lui dire que c'est la référence. Hop, voilà. Et il fait du soulignement. On applique le style à la sélection. Je l'ajoute pas à la bibliothèque. Je mets ça. Et du coup, j'ai bien référence qui est là. Et j'ai plus le petit plus qui est là. Puisque maintenant, InDesign considère que ce n'est pas une erreur. Puisqu'il y a un style de caractère. Donc c'est voulu qu'on ait voulu faire ça. Et alors, j'ai la possibilité, quand j'insère une référence croisée. Donc je vais l'insérer ici. Rendez-vous au 10. Insérer la référence croisée. Chapitre, je vais chercher donc le 10, parfait. Et là, tout à l'heure, j'avais fait une personnalisation, bah, je vais compléter cette personnalisation en disant que le style de caractère pour ma référence croisée, eh bien, c'est référence. Celui comme que ça, je tu conserves le même réglage. Exactement. Alors là, j'enregistre, ça va écraser ma personnalisation livre-héro, et si je valide et que je regarde ce qui s'est passé, bah, je me rends compte que ça m'a bien appliqué donc, le style de caractère, mais ça l'a appliqué à l'ensemble du texte de la référence croisée. Alors, là, du coup, l'idée, c'est est-ce qu'on assume ça, est-ce qu'on veut le gérer comme ça, ou est-ce qu'on veut le gérer indépendamment, etc. Si on l'assume, très bien, il n'y a plus rien à faire et c'est fait. Si on veut le gérer indépendamment, on va faire un peu autrement, c'est-à-dire que là, je vais venir modifier donc le format de la référence croisée personnalisation du livre héros, en disant, bah non, finalement, je ne veux pas appliquer un style de caractère, j'enregistre ça, je valide.
Je vais venir mettre à jour ma référence croisée. Hop. Voilà. Alors, pas ici, pardon. Hop, option de référence croisée. Voilà. Pouf, tac, enregistrer. OK. OK. Tiens, c'est marrant, ça se met pas à jour automatiquement. C'est curieux. Parce qu'elle l'a placé à la main. Ouais, c'est replacé à la main. OK. Donc c'est placé en dur. C'est, donc c'est pas grave, je vais le retirer. Et là, je lui ai demandé de le faire. Alors, non pas sur donc l'appel de la référence, mm-hmm. mais je lui ai demandé de le faire sur ce résultat-là. En D'accord. fait. Alors ce résultat-là, je vais afficher les caractères masqués en le mettant comme ça, voilà. Donc ça ici, c'est un chiffre, et le chiffre, il est placé après O, en fait. C'est rendez-vous O, c'est toujours comme ça que c'est écrit, rendez-vous O20, rendez-vous O28, rendez-vous O1, etc. Et encore une fois, je vais me baser là-dessus, d'accord ouais. Et je vais appeler le style de caractère à l'intérieur du style de paragraphe. Donc je vais modifier texte courant et je vais faire encore un petit grep, désolé, mais à l'intérieur du style de paragraphe cette fois-ci, puisque je veux appeler le style de caractère référence. Et là, vous voyez que si on regarde l'aperçu, il me le met bien sur les chiffres ici. Alors sauf que des fois, peut-être qu'il peut y avoir d'autres chiffres dans le texte, et donc ce serait dommage d'avoir ça. Donc je vais préciser, je veux dire que devant, il doit y avoir O espace. Voilà. Comme tout à l'heure, bah, du coup, il prend O espace et le chiffre. Et comme tout à l'heure, je veux dire, non, mais en fait, je veux identifier ça, mais je veux pas l'attraper. Ouais. Donc, je vais mettre un backslash K. D'accord. Voilà. Et du coup, ça ne fait que appliquer le souligné au chiffre qui est précédé des caractères A, U espace. Mais ça n'attrape pas les espaces. Et je valide ça. Et logiquement, ça se fait pour tout le monde. Hein. Voilà. Dès qu'il y a un O suivi de plusieurs chiffres, ça l'applique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut... Alors, j'ai 2-3 questions qui vont être intéressantes. Notamment, Daniel qui nous demande, est-ce qu'on est capable d'automatiser par la suite les références croisées tout au long du texte ? Alors, les automatiser, évidemment, les références croisées, elles vont avoir cet intérêt que quand je rajoute des pages à mon ouvrage, le numéro de la pagination sur les références croisées va bouger. Ça, c'est un gros plus pour pouvoir suivre justement le... Ça va se mettre à jour, effectivement, ouais. Mais il faut d'abord avoir implémenté une première fois la référence croisée, et après, sur la question... Est-ce qu'il existe des scripts, peut-être, alors, sur les références croisées ? Alors, je pense que sur un script, effectivement, si on regarde chez Peter, par exemple, il doit certainement y avoir des choses comme ça, mais en tout cas, nativement, à ma connaissance, dans InDesign, on ne peut pas utiliser, par exemple, un rechercheur remplacé sur les appels pour venir faire une référence croisée qui va chercher un chapitre ou effet comme ça, donc alors, après... Par contre, ce que je vois sur une première recherche, quand vous cherchez cross-référence sur votre navigateur, vous allez pouvoir trouver le premier lien qui vient, c'est un post de InDesign Secrets, qui est une bonne référence en anglais. Donc j'ai cherché cross-référence et script, et du coup, il y a un script qui est proposé par Arbs sur InTools, et qui devrait vous simplifier beaucoup, beaucoup la vie sur la gestion et la création des quick references et des références croisées. Donc, vous pourrez aller regarder là-dedans si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. CLCA nous dit, est-ce qu'on peut appliquer une référence croisée à une image importée, genre à une illustration qui représente le 10 ? On pourrait tester ça en mettant l'image sous forme d'objet ancré et en récupérant le caractère de l'objet ancré. Mais est-ce qu'on aurait un caractère indépendant et différent les uns des autres ? Ça, je suis pas sûr. Non, c'est un point à tester. Ouais. Je sais pas si c'est maintenant ou pas. Je peux regarder maintenant. C'est pas obligatoire. On va se faire une. Ah bah tiens, c'est ton image qui était là-haut. Elle était là. Voilà. Je vais me faire un petit bloc de texte à côté. Parce que les références croisées, comme vous l'avez vu sur le moteur, ce sont des références croisées qui ont lieu en texte. Donc il nous faut quelque chose par rapport à du texte. Après, je peux faire une nouvelle cible d'hyperlien dessus, en fait, directement. Alors, par contre, j'envoie sur une page, j'envoie pas sur un... T'envoies pas directement sur l'objet. Ouais. Donc, l'objet, en fait, non, l'objet, il va pas pouvoir être... Il est référencé indépendamment. Ouais, parce qu'en plus, là, ça fonctionnera pas, puisque je vais remplacer ce caractère-là par... Le contenu paragraphe qui est derrière, etc. Donc, on va pas pouvoir le faire sous cette forme-là directement. Pas sous cette forme-là.
et on va travailler plutôt en forme de référence croisée sur un lien, enfin sur une d'hyperlien sur le contenu. Je regarde vite fait ce qu'on a là-dedans. Paragraphe entier, partiel, nom de langue. Non, non, on est vraiment que sur du texte. Alors par contre, ce qui est tout à fait possible, si elle s'y a, et on va pas creuser plus là-dedans, c'est un petit peu plus sale, mais ça se fait, d'avoir l'illustration qui est liée au texte, et le texte 10 est invisible, il est transparent sur InDesign, mais par contre, il sert sur ce contenu-là. Et Richard Maillot nous dit exactement la même chose. Oui, ouais, on peut mettre un caractère visible, mais en fait, ce qui sera cliquable, c'est le caractère invisible et pas l'image. Donc l'utilisateur, lui, il va placer son curseur au-dessus de l'image qui, quoi qu'il en soit, restera... Ou alors utiliser l'image comme cible d'hyperlien, quoi, comme source d'hyperlien. Oui, voilà, après, on peut en faire un hyperlien, on en fait un bouton, mais du coup, c'est plus une référence croisée. Enfin, c'est différent. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu me dis que je vais peut-être pas faire toutes les références croisées comme ça. Ça va prendre un certain temps. Ouais, ouais. Et voilà. On n'a pas installé le script de InTools. Non, parce que tu me l'as pas donné non plus. Non, du tout. Non, je l'ai pas installé. Non. Mais ça, on pourrait le tester après. Alors, autre chose aussi pour continuer. De temps en temps, dans le texte, on a des indications qui sont des indications d'ordre, comment dire, règle du jeu, c'est ça, comment on peut dire. Par exemple, celle-ci, noter le code jaune. Donc ça, c'est des choses que vous êtes censé faire au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. C'est un peu les points de sauvegarde. Voilà. Pour le coup, hein, dans le déroulé de ce livre-là. Ok, ça aussi, on va le designer différemment. C'est-à-dire que, du coup, je vais lui demander non pas d'être en romain, mais d'être en italique. Je vais le laisser dans le même corps, en revanche. Et pareil, je vais définir un nouveau style de paragraphe, puisque c'est quelque chose qui concerne tout le paragraphe. Et je vais créer le nouveau style de paragraphe, mais en le laissant basé d'après texte courant. Alors ça aussi, c'est du coup, je vais rendre dépendant les deux styles de paragraphe, et ça me permet de garder tous les enrichissements de texte courant et de n'enregistrer que ce qui change. Donc si demain je veux changer la fonte, passer sur du Mrs. Eves ou autre chose, j'irai le faire dans texte courant, et du coup, celui-ci qu'on va appeler tous les paragraphes qui sont dépendants vont récupérer la même mise à jour. C'est chouette. Exactement. Celui-ci va subir la même transformation et il va conserver sa différenciation qui est changement de graisse en italique. Ça permet de gagner du temps aussi dans l'adaptation de nos maquettes. J'appelle ça règle du jeu. Et alors, je vais montrer aussi qu'il est possible de donner des raccourcis à des styles de paragraphes, des styles de caractères, des styles d'objets aussi. Mais jusqu'avant la CC 2020, les touches de raccourci disponibles, c'était uniquement pomme, alt ou contrôle, et puis shift aussi, et les chiffres du pavé numérique. C'est bien que lorsqu'on a un laptop, et qu'on n'a du coup pas de pavé numérique sur le clavier, on n'a pas accès aux raccourcis clavier qui se trouvent dans les raccourcis des styles. Et depuis la 2020, maintenant, on a accès à toutes les touches. Donc, si je veux appliquer italique, si je veux faire un pomme I pour l'italique, je peux. Ouais. Alors, il va me dire, attention. Même si c'est en conflit avec un style existant, un raccourci existant. Il va me dire, attention, ce raccourci-là, il est déjà utilisé à règle du jeu. Ah non, actuellement attribué à règle du jeu. Bah oui, mais c'est toi, règle du jeu. Bah très bien, ok, on le laisse comme ça. Donc, pomme I pour appliquer ce style-là. D'accord? Donc ça, c'est une petite révolution pour ceux qui aiment utiliser les raccourcis clavier sur leur style, c'est que maintenant, en fait, ils sont plus limités aux neuf caractères du pavé numérique, aux 10 caractères, parce qu'il y avait le 0 aussi qui pouvait être utilisé. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir le réutiliser ici aussi. Une nouvelle journée s'écoule, ça fait partie des règles du jeu aussi dans le texte, hein, il faut compter une journée en plus, du coup. Donc, et là, si je fais un pomme I, voilà, donc ça me relance mon orthographe, d'accord? Donc il m'a pas précisé ici. Donc je vais venir changer ça dans le style de paragraphe. On retrouve le raccourci qui est ici. Qui est je vais modifier les règles du jeu. Et je vais lui dire, alors je vais faire pomme. Je vais faire un pomme de point. Voilà, pomme de point, je sais qu'il n'est pas pris. Et je fais OK. Et je vais mettre ici, hop, pomme de point. Et ça me lance mon script. Tu veux pas mettre un pomme fonction alt F1? Ah oui, attends, c'est pas bête. Ouais, tu vois, moi je fais des raccourcis avec trois touches. T'as raison, pomme alt 2 points. Parfait, on va faire ça. Pomme alt 2 points.
Ah, si, non, pardon, je l'ai mis à la main. Tac, 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 pomme, al, deux points. Ah bah, ça alors, ça fonctionne pas. Pomme, virgule. Mais c'est déjà... C'est déjà pris, pomme, virgule. Ouais. Pomme, point, virgule. C'est okay. Marrant, ça. Tu veux pas mettre des pommes F1? Bah, mes F1, ils sont pas actifs. Ouais. Mais si, t'as la touche fonction sur ton clavier de portable. Ah, yes. Alors, pomme, tac, tac. Ok. Là, tu vois, ça ne pas, fonctionne hein. pas. Ça ne fonctionne pas. C'est très pas. Décevant. C'est très décevant. Alors, on va pouvoir faire remonter ça sur le... sur le user voice, justement. Puisque, a priori, hein, quand même, on a bien le raccourci qui vient qui est indiqué, qui est précisé. Ouais. Voilà, qui est précisé, mais qui n'est pas... qui est pas... qui ne s'applique pas derrière. Bon, c'est pas très très Allez, grave pour l'instant. Comme ça. Par contre, une question de Béchir qui nous dit, pour le PDF digital ou numérique, est-ce qu'on peut créer des interactivités et l'affichage fluide et responsive, c'est possible? Alors, c'est deux questions très différentes. Pour le PDF interactif, on peut le faire, on peut faire des liens, justement, on a certaines options d'interactivité. Et par contre, pour l'affichage fluide et responsive, c'est jouable sous une certaine, dans une certaine limite dans le PDF, mais dans ce cas-là, j'aurais plutôt tendance à utiliser un autre format que le PDF, pour le coup. Et on parlera peut-être du EPUB si on a quelques minutes. Oui, on fait les références croisées, sont implicitement interactives dans le PDF digital, tout à fait. Je suis têtu, hein, donc j'ai fini par trouver une solution. C'est d'utiliser les chiffres là-haut. D'accord. Tac. Alors, avec l'esperluette, parce que mes chiffres ne sont pas activés par défaut, mais là, donc j'ai fait un pomme shift esperluette pour le raccourci, et ça a l'air de le faire fonctionner cette fois-ci. Notez le code rouge, on va en faire un ici. Pomme shift esperluette. Et donc ça l'applique. Donc ça marche. Voilà, donc c'est, la satisfaction. Vraisemblablement, toutes les caractères de modification ne fonctionnent pas, malgré le fait qu'elles s'enregistrent dans le raccourci clavier. Mais là, si je reste sur les chiffres en haut du clavier, ça fonctionne, a priori. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, Un petit export ou tiens, mets-moi une deuxième illustration. Ouais. Je crois qu'elle est en page 22 ou 26. Okay. C'est le livre un petit peu avancé avec les outils. D'accord. C'est le deuxième livre, pas le... Notez le code blanc. Ouais, c'est ça. Ou en fait, vous sortez un feuillet encore vierge de votre c'est sac. Ça, c'est ça. Et okay. En fait, on pose le livre sur la pierre pour écrire. Ok, parfait. On va mettre ça en ital, puisqu'on y est. Et on va venir donc se mettre... C'est celle-ci? C'est celle-ci. Parfait. Pareil, je clique, je maintiens mon clic, je trace un bloc aux proportions de ce que je suis en train d'importer. Et je mets ça dans le... Calque d'image. Ok, très bien. Et alors, par contre, j'aurais trouvé ça cool que tu mettes sur ces illustrations, que tu mettes un style de paragraphe, parce qu'il y a un petit truc que je voulais vous montrer qui est assez sympa, c'est que là, tu m'as mis toutes les images en fer à gauche, et je me demande si elles auraient pas été bien centrées sur la page. Ouais, tu veux un style d'objet, tu veux dire? Je veux bien un style d'objet, j'ai dit paragraphe. Oui, c'est pas grave, je t'ai compris. Fenêtre style, style d'objet. Alors, on va l'appeler illustration. Illustration, voilà. Et tu m'as dit que tu voulais que ce soit centré dans la page. Oui. C'est ça. Alors, du coup, ici. Laisse-le comme ça. Ah, on va le laisser dans la position. Ça. Ok, ouais. Très bien. Je te le laisse comme ça. On le centre. On va le centrer, ouais. Ok. Voilà. Est-ce qu'il était appliqué? Non, il n'était pas appliqué. Alors, je vais l'appliquer comme ça. Ok, très bien. Ensuite. Ben ensuite, on va retourner dans les options de style d'objet. Parfait. Donc, on vient dans style d'objet. Tu veux quoi, que je te donne le raccourci clavier pour rentrer dans les options de style d'objet? On va modifier, ok. Non, je te suis. Faut tout faire ici. Ah, faut tout expliquer. Et là, par contre, tu vas dans l'option de dimensionnement et position. Exact. Qui est, je sais plus où, parce que c'est toujours il est... Alors, c'est pas dimensionnement automatique du bloc de texte, c'est un peu plus bas, c'est dans... Non, c'est dans taille et position. Taille et position, et donc il est... Il n'est jamais à l'endroit où on le cherche. Oui, tout à fait. Ben alors, Jean-Jacques, est-ce que t'es... Là, ici, option de taille et de position, j'étais dessus. Hein. Voilà. Option de taille et de position, très bien. Et on va lui demander de l'enregistrer. Voilà. De maintenir la position en X et en Y de ce bloc-là. Et plutôt à partir du bas, parce que ça nous permettra d'être calé à partir du centre et du bas du bloc. Ok, très bien. Comme ça nous permettra d'être toujours calé avec un léger espace par rapport à notre paragraphe. Ok. On va lui dire OK. Ok. On crée, a priori.
Voilà. Là, il nous le place, du coup. Alors, c'est normal, ça, c'est parce qu'il est venu récupérer le point de référence au gauche qui est par défaut. Voilà. Mais alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le placer là où on en a besoin. Exactement. Finalement, le remettre là où on le veut. Et on va faire un truc. Ouais. C'est qu'on va aller appliquer le même style de paragraphe à l'autre illustre. Style d'objet. Oui, je... ouais. Donc, on va l'appliquer. Voilà. À lui, ouais. Voilà. Tac, on applique. On peut l'appliquer. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe lequel et on va le remettre à sa place et on va modifier le style. Redéfinir le style à partir de ça. Exactement. Redéfinir le style, c'est-à-dire en fait, il avait un petit plus comme avec un style de paragraphe qu'on aurait enrichi. Fait une erreur. Et en fait, ce petit plus, on va dire non, en fait, c'est pas une erreur. Et on va redéfinir le style, c'est-à-dire qu'on va réenregistrer en fonction de ce qui s'est basé là. Tout à fait. Et logiquement, donc, si on a Coco là-haut, il a suivi. Voilà. Il est placé, son centre est placé exactement au centre de la page. Exactement. Ce qui est quand même assez cool. Ouais. Parce que ça veut dire que si je me suis planté et qu'en fait, il faut que tout soit ferré à gauche, je saurais le modifier. Exactement. En un clic sur tout le bouquin. Exactement. Puisque maintenant, on peut aller effectivement modifier. Le style d'illustration en disant bah non, tout le monde doit être à droite, donc on va faire un décalage sur X, et là on est à 15 mm, alors il faut faire un petit calcul là ici, ça fait 148 plus... Oui ? Tu veux pas le faire là ? Il est tard. Non mais je voudrais montrer, voilà, 281, je vais montrer qu'on peut le faire directement là aussi. Donc là je vais faire modifier ça, hop, modifier l'illustration. Et option de... Toujours de taille. De taille et de position. J'arrive jamais à le voir, celui-ci. Voilà, on va faire un petit aperçu. Puis on va venir pousser. C'est ça. Tac. Et donc, logiquement, on va retomber donc, sur la valeur. Sur 281, c'est ce que tu veux dire. Un petit peu moins, parce que, en fait, il calcule toute la planche. D'accord. Il calcule toute la planche. Donc, 281 moins 148, si on veut faire... Ok. Et voilà. Et du coup, si je passe plus bas dans mon document, il a trouvé, l'autre illustration a été déplacée aussi. C'est exactement. Magique, ça. Par rapport à son point de référence bas droite, puisque c'est le point de référence bas droite qu'on a changé. Est-ce que ça vous a plu, ça, les uns les autres ? Oui. On va faire notre premier export. Alors, moi, je vous avais promis dans le titre, dans l'intitulé du contenu, qu'on allait le faire d'abord en PDF. Jean-Loup m'a dit, maintenant, on va le faire en Publish Online, donc on va quand même commencer en PDF. Ok. D'abord, tu vas sauvegarder ton document, de toute façon, c'est toi le bail. Oui, regarde. Non, c'est bon, régulièrement, tout va bien. C'est toi le maître, hein, j'écoute. Donc, fais-nous un export en PDF interactif, parce que je vois qu'il commence à y avoir des questions sur ça. Ok. Voilà. Alors, on est parti. PDF interactif, sur le bureau, on est bien, tu peux l'enregistrer, tout va bien. Le gros avantage là-dedans, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire. Parce que sur la nouvelle fenêtre d'export en PDF interactif, on est quand même vachement plus propre que ce qu'on avait jusqu'à présent. Il y a moins de confusion, elle est plus proche de ce qu'on avait sur la fenêtre de PDF classique. Du coup, c'est plus facile à lire et plus facile à ranger. On va faire attention à un petit truc. Je ne sais plus si on a mis une page de couverture sur ton livre, non, dont vous êtes le héros. On l'a pas mise ? On l'a pas mise. Alors attends, on va faire un truc, c'est que je vais te proposer une page de couverture, et je vais aller te la glisser dans super. Les bibliothèques. Ah bah carrément. Parce que j'en ai un, où j'étais assez fier hier, et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas réutilisé. Alors, je vais ouvrir mes bibliothèques. Hop. Ne pas mettre à jour le lien, c'est pas lui. C'est le livre dont vous êtes le héros, qui s'appelait « Livre dont vous êtes le héros, test » chez moi. Je donne toujours des titres hyper importants. Donc je vais prendre ce paragraphe. Alors je mets les deux écrans côte à côte. Okay. Je prends le paragraphe, petit plus, et je vais rajouter le graphique. Je vais pas rajouter juste le texte, parce que si je rajoutais juste le texte cette fois-ci, eh bien il récupérerait l'article, mais vous voyez qu'il me perdrait la mise en page, la mise en forme qui est ici. Donc par contre, cette illustration 1, en fait, ben, je vais double-cliquer, je vais la renommer titre couverture. Couverture, ok. J'ai vu très rapidement, très brièvement, quand j'ai changé le petit nuage, s'automatiser, se mettre à jour ici. C'est déjà là. Et c'est déjà chez toi. Oui, c'est déjà partir là. Chez toi. C'est instantané. C'est léger, c'est le gros avantage de ce voilà. fichier. Et puis pareil, donc ta petite modif titre couverture. Elle a été prise en compte. Apparaît aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter donc deux pages au-dessus de la première ici. Tout d'accord. Donc je vais aller demander à InDesign d'insérer des pages, je vais demander d'en insérer deux avant la page 1. Ici. Super. Voilà. Donc, alors ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça va mettre à jour mes références croisées, forcément, aussi, puisqu'on rajoute deux numéros de pages.
Je vais venir me mettre là. Et donc maintenant, alors ça, le bloc de texte principal, je le supprime d'ici. Et alors, vous remarquerez un truc chez Jean-Loup, c'est que quand il a des messages d'erreur, il ne va pas juste cliquer sur OK. Ouais. Il va le lire. Oui. Pour éviter de se planter derrière. Et là, il disait un truc qui me... plaisait pas. Qui me plaisait pas, non, qui me chauffait pas trop. Donc, j'ai décidé de ne pas le supprimer, de le mettre à côté. On verra plus tard. Mais en tout cas, pour moi, le vrai point important, c'est que quand on a un message d'erreur ou un message qu'on prend toujours le temps de le lire, parce que si vous prenez pas le temps de le lire, vous risquez d'être un petit peu embarrassé. Alors, fonte, qu'est-ce que j'ai choisi comme fonte pour que ce soit bien ? J'ai pas les fontes. Alors, est-ce qu'il va te les afficher et te les rechercher ? Le roster, je vais les activer. Ici. Alors, tiens, non, je peux pas le... Elles sont pas... Alors, c'est étonnant parce que j'ai... Elles sont pas Adobe Font ? En général, si. Roster, où es-tu roster? Sinon, je vais les activer de là-haut. Alors, est-ce que... Parce que je l'ai fait il y a un certain temps. Si, c'est une Adobe Font. Ok, bon, je vais les installer de là. C'est pas très grave, ça va. Alors, roster, clac. Bon, encore une fois, ça montre le... Alors, il y a combien de fontes? Ah, mais attends, tu l'as glissé avec Alt ou pas? Oui. Non, non, non. Sans Alt. Je l'ai glissé tout court. Parce que si tu glisses sans Alt, c'est une image, normalement, ou c'est un contenu, non, un design. Non, attends, je vais refaire, je glisse tout court, clac, ouais. Un clic. Ouais, non, c'est un snippet, hein. C'est un snippet. C'est un snippet, donc après, il reprend et le texte. Et si tu glisses l'autre, le texte là-haut, est-ce qu'il le prend avec la fonte? Je suis curieux, vas-y. Alors, tac, non, pareil. Ouais, et il ne te propose pas la mise à jour des fontes? Non, ah il ne me propose pas. C'est bien de pouvoir le tester en live. Oui, oui. Bah, après, de toute façon, chaque problème a une solution. Et là, en l'occurrence, tu te souviens par contre des graisses que tu as utilisées, ce que j'ai... Oui, bah, regarde, je vais faire un truc tout bête. C'est que je vais te rajouter les styles de paragraphes dessus. Hop, sur les uns, sur les autres. Style de paragraphe, style de caractère. Parce que là, il y a 60 graisses. Alors, je vais peut-être pas tout synchroniser. Mais... Moi non plus, j'ai sûrement pas pris tout ça. J'ai pris du régular, j'ai pris du... Mais tu vas les retrouver maintenant, regarde. Oui, mais en fait, mais exactement. Non, mais je vais faire ça. Regarde, rechercher une police. Le bold et le régular. Ouais. Pourquoi se compliquer la vie? Donc, on va aller chercher le bold et le régular. Sinon, tu peux cliquer dans tes bibliothèques. Maintenant, elles sont là. C'est vrai. Donc, ils devraient les mettre à jour. Ah oui, ouais, ouais, alors, oui. Attends, je vais faire le bold là, et sinon... Et regarde pour le régular. Là-dedans... Je t'ai mis un régular quelque part. Alors... Ah, j'ai un conflit. Style importé. Le style existant. Mince, annulé. Ah oui, pardon, alors attends, je peux... Style de paragraphe 1, roster 16 points. Celui-là, il n'a pas de nom. J'ai un conflit. Corps du texte, section chapitre. Ok. Ouais, parce que j'ai salement mon style qui est du style de paragraphe. Tout okay, bête. Bon, c'est pas grave. Régular, expandir, régular. Donc ça vous permet aussi de tester en direct qu'effectivement vous avez intérêt de faire des styles de paragraphe et les nommer, notamment pour les cas de travail collectif. Alors, ça synchronise. Est-ce que c'est arrivé? Le roster est arrivé dans sa version régular et bold. C'est parfait. Du coup, normalement. Et yeah, ben voilà. Ben voilà, c'est et mieux ben là, non? Donc on a une couverture. Parfait. C'est super. Je vais mettre à jour mes références croisées. Vas-y. Parce que là, il faut que je lui dise, hein, parce que normalement, elles sont obsolètes maintenant, vu qu'on avait rajouté des pages. Donc je vais aller dans le menu fenêtre, texte et tableau, références croisées. Toc, on va aller la voir. 10, page 11. Est-ce que 10 est toujours page 11? Ah bah oui, là non, c'est très bien, ça s'est mis à jour. Il le gère en automatique, ouais, sinon il t'aurait mis le petit point vert. Sinon j'ai le... il m'aurait mis enfin, le petit point rouge, pardon. Ouais, le triangle jaune qui dit qu'il faut le mettre à jour. Le point rouge, c'est vraiment quand elle a disparu. Quand elle a disparu. Quand il renvoie un 404. Enfin, ou l'équivalent d'un 404. C'est ça, mais tant que vous avez laissé gérer en automatique les pages par InDesign, il vous aide là-dessus. C'est ça. Alors, on fait un export, je retourne dans exporter, PDF interactif, enregistré. Et donc, ici, on regarde... donc, je vais choisir d'exporter toutes les pages. Oui. Affichage en continu. Ça, tu peux laisser. Ça, ok. Mise en page, une seule page. Alors, justement, là, on est sur les planches. Voilà. Mais il ne faut pas se planter. Non. Donc, c'est plutôt une seule page, double page avec la couverture. Exactement.
C'est double ça. Page, page de couverture, on va le mettre comme ça. Et l'affichage, je vais peut-être le mettre page entière, comme ça on verra tout d'un coup. Sera affiché après l'exportation, comme ça il va nous l'ouvrir dans Acrobat. Voilà. Et par contre, t'as une blague, c'est que exporté au format, par défaut, il est en planche. C'est pour ça que ça nous met dedans. Yes, bien vu. Ça me rappelle que des mauvais moments. Oui, oui. Ok. Évidemment, on veut lui demander d'inclure tout ce qui est contenu multimédia. Tout à fait. Voilà. Dans les compressions, tu touches à des choses. Bon, on n'a pas fait grand-chose. Puis de toute façon, ton vectoriel, il va sortir comment ? Mon vectoriel, aucune idée. D'accord. Avancé, on laisse les choses comme ça, protection comme ça, on fait exporter ? Ouais. Allez. Alors, l'avantage du livre dont vous êtes le héros avec peu de documents, c'est que ça va vite. Oui. Ça se charge rapidement, donc il va l'analyser pour que tu puisses le retrouver plus tard. Voilà. Ensuite, donc on a bien un affichage de pages avec la planche, avec la première page en couverture. Très bien. Super. Le texte qui vient se mettre là. Et on va avoir donc le premier appel ou le deuxième appel. On décide d'aller page 11 et on est envoyé. Voilà, au numéro 8. 11, au numéro 8. Et si on veut aller sur le 10 pour revenir d'ici, je l'avais pas fait. Ah si, tac. Ah bah je suis page 11, c'est le même, c'est dans la même page. C'est sur la même page, tu vas pas voir la différence. Donc il va pas se passer, grand chose. Mais en tout cas, les liens sont exportés et ça fonctionne très bien. Page 26 ici pour le numéro 30 par exemple, ça nous ramène directement ici. Alors Richard Maillot nous demande si ça vaut le coup d'être en PDF balisé. C'est pas forcément nécessaire pour ça. Le PDF balisé, il va nous permettre d'avoir plus d'infos sur l'index du PDF directement, sur les titres de chapitres. Et ici, on n'en a pas forcément l'usage. Dans ce contenu. Est-ce que tu peux zoomer fortement sur l'illus pour qu'on sache en quoi il l'a traduite ? Bah, il l'a pas traduit, non, c'est toujours du vectoriel. Il l'a laissé en vectoriel, pardon. Hop. Très bien. Il l'a laissé en vectoriel, ce qui est absolument génial. C'est un peu fouillé hein, de près. Non, regardez pas mes illus de près. Dessin, ça colle bien avec le choix typo et tout, non ? C'est très bien. Balisé, c'est quoi ? C'est que InDesign va être capable de donner directement dans le PDF le lien entre différents éléments. Donc ça, ça peut être utile pour certains de vos documents, pas forcément dans le cas qui nous importe. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un tour vers Publish Online. Mm-hmm. Parce que donc là, j'ai la version PDF que je peux fournir à mes lecteurs, mm-hmm. mais en haut de mon InDesign, et là, il va falloir que tu zoomes parce que on est sous la barre. Ouais. Vas-y, voilà, très bien. Okay. On a le bouton Publish Online, et ce bouton Publish Online, donc il va marcher de manière hyper simple. Vous cliquez dessus, vas-y. On clique dessus, on a une fenêtre qui va s'afficher. On va choisir un titre pour ce document, parce que pour l'instant, il s'appelle... Livre héros, hein, on va l'appeler... Pas mal. Oui, bah pareil. Mm. Hop. Ah oui, oui, la remarque de Richard sur les balises, c'est effectivement que pour les options d'accessibilité, c'est important pour la navigation. Ouais, tout à fait. Donc, ce livre-là, on va l'exporter. On va l'exporter au format, non pas une seule page, mais en grossi. Oui, qui veut dire planche. Hein. Qui veut dire planche, qui est la mauvaise traduction de « spread ». Et qu'on n'a toujours pas corrigé. Je ne sais plus si j'ai fait la demande. Ça viendra. Et on va le laisser tel quel. On va absolument rien régler derrière. On va juste faire une publication. Allez. Hop. Et on laisse bosser. Et le gros avantage de cet export en Publish Online, c'est que InDesign vous fait un premier pré-travail. Et puis, toute la partie export, il va la faire dans cette fenêtre-là, et si vous avez besoin de ranger pour bosser, pour faire autre chose, vous fermez la fenêtre. Quand il aura fini, de toute façon, il vous préviendra. Mais dès à présent, on voit que le bouton Publish Online... Non, on voit pas d'ailleurs, il est trop petit. Si, pardon. Hop. Ouais, on voit que le bouton Publish Online, il est en mode, je suis en train de travailler. Il bosse derrière. Et là, il a fini. Là, du coup, fini, il nous a réaffiché la fenêtre. Voilà. Et on peut afficher le document. Et on peut afficher le document. Et là, on se retrouve dans un navigateur Internet. Donc là, il m'a ouvert le navigateur par défaut. On retrouve donc la première page et un petit bouton qui m'invite à cliquer sur la droite pour lire le document exactement. En planche, puisqu'on a choisi l'option spread, enfin grossi, dans sa traduction. Là aussi, on va se retrouver avec les options d'interactivité qu'on avait déjà pu constater sur le PDF interactif. C'est-à-dire que, du coup, on a la possibilité de naviguer. Et puis, Publish Online vient avec une interface qui est présente sur l'ensemble des exports Publish Online, avec notamment la possibilité d'afficher l'ensemble des pages, donc l'ensemble des pages qui composent le document InDesign, et qui permettent donc de naviguer rapidement à l'intérieur d'un document. Si je zoome aussi dedans, on verra que le texte est exporté en PDF, en SVG. Ouais.
Donc, d'exporter en SVG, donc ça veut dire qu'on peut zoomer dessus et il reste lisible, ce qui est quand même assez important. Complètement nickel. Ouais. Et voilà, et ton illustration, elle est sortie en JPEG, à 96 pixels par pouce, puisque c'est la valeur par défaut dans le Publish Online. Alors ça, c'est des choses qu'on peut régler lors de la publication. On l'a pas fait pour pas se compliquer la vie. Non, mais sachez que c'est possible en revenant dans la publication. Alors, l'avantage aussi, deux choses. La première, c'est que ce document, il est en ligne stocké sur mon espace Creative Cloud, sur les serveurs d'Adobe. D'ailleurs, tu peux y aller dans ton menu fichier. Exactement. Dans ton InDesign fichier. Tout à fait. Je reviens dans InDesign. Je peux aller dans le menu. Alors ça, je vais le fermer. Dans le menu fichier. Et en fait, je peux aller voir le tableau de bord Publish Online. Qui va m'ouvrir les différents publish online que tu as déjà créés. Exactement. Donc, avec des statistiques qui vous permettront de savoir si votre livre a eu du succès ou pas. Ouais. Comprendre un petit peu qui a fait quoi dedans. Alors, j'ai constaté que sur Chrome, il y avait quand même quelques petits soucis. D'accord. Et que sur Firefox, en revanche, il n'y en a pas, mais il y en a moins. Mais... Alors, peut-être qu'il y a des questions de cache à gérer en général. Ah ouais, c'est ça, tu crois? Ouais. Peut-être. Mais est-ce qu'il y a moyen de mettre le fichier sur son propre FTP, nous demande André. Alors sous cette forme-là, attends deux secondes. Oui. Sous cette forme-là, le Publish Online, non, il est hébergé chez Adobe directement. Par contre, si l'idée c'est de pouvoir partager votre fichier, eh bien vous pouvez aussi fabriquer un format qui sera le format EPUB. Et le format EPUB, il va vous permettre de réaliser tout ce qu'on a fait en tant que document PDF, qui aura exactement la forme de ce que vous avez sur votre Publish Online. Donc ça va nous permettre d'avoir un petit peu le lien entre les deux structures. Hop. Voilà, parfait. Merci. Bon ouais, c'est arrivé chez toi. Donc là, sur Firefox, il n'y a aucun souci. Donc on retrouve ici l'ensemble des documents qui peuvent être publiés à l'intérieur de Publish Online, y compris du coup le fameux livre dont on est le héros, qu'on peut consulter. Et cette URL-là, pour terminer là-dessus, c'est une URL qui est partageable. D'accord. Donc c'est-à-dire que directement dans l'interface de Publish Online, d'ailleurs en bas, vous avez les liens pour pouvoir partager, pour pouvoir intégrer, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, ils sont là. Ouais, ils sont là. Et quand on dit URL partageable, c'est-à-dire que non seulement quand on clique sur partager dessus, on va avoir à la fois l'URL, alors je sais plus si elle est en mode raccourci ou pas, quand elle est proposée. Non, elle n'est pas en mode raccourci, non. Mais je vais la copier, puis je la partage. Ouais, allez. Allez, tac. Je vais mettre sur le... T'es connecté, toi? Ouais, trop bien. Tac. Bienvenue. Donc, voilà, merci. Ça c'est nous. Et j'envoie. Est-ce que vous avez tous vu Inception? Oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc là, maintenant, tout le monde peut accéder à la version 0.9 du livre. Oui, voilà, c'est ça. Qui n'est donc pas la version finale, mais qui va vous permettre justement de jouer un petit peu avec nous, de regarder. Donc, on complétera avec notamment le texte de Skarn. J'ai retrouvé Skarn sur Twitter. Ah, génial. En cherchant l'interaction, justement. Ok. J'ai lié ça, donc on remerciera dedans Fibre Tigre, Skarn, l'interaction, ouais. Etc. Ouais. On remettra les notions de licence. Exactement, c'est les typos utilisés. Voilà. Pour faire des choses proprement. Proprement. André me demande s'il y a moyen de mettre des annotations sur le fichier en ligne. Alors non, c'est pas un bloc, c'est pas un carnet. Par contre, ce qui va être intéressant pour nous, c'est que à l'intérieur d'InDesign, vous avez une petite option que j'aime assez, qui est les commentaires PDF. Ça, on peut peut-être le montrer juste ces deux secondes. Ouais, bien sûr. On est toujours chez toi. Vas-y. Non, je vais vous le montrer sur mon bureau, sur mon document. Donc moi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai fait un document InDesign. Mm-hmm. Et ce document-là, en fait, je pourrais effectivement travailler à plusieurs dessus. Alors, c'est pas exactement le même. J'ai pas choisi la même charte. Mais je peux tout à fait prendre mon document. Je peux générer un fichier exporté, donc un fichier PDF, par exemple. Alors, pour le coup, je sais plus si ça le fait aussi sur l'interactif. Je suis pas sûr. Donc, je vais pas le tenter. Oui, non, je crois pas. Je vais le mettre, donc, test pour commentaire. Et ça va me permettre de partager ce document InDesign dans la qualité qui m'intéresse, etc., avec le PDF balisé, Richard, c'est ici. Donc, je partage mon document, je vais pouvoir l'ouvrir dans mon... J'ai exporté qu'une seule page, c'est pas très malin, c'est pour ça que ça a été vite.
Hop, partager le document, enregistrer, remplacer celui-ci, vérifier qu'il est bien fermé, ok, et je vais exporter toutes les pages, sinon ça marche moins bien. J'exporte le document. Cette fois-ci, je me retrouve à l'intérieur de mon Acrobat, et dans Acrobat, vous le savez, enfin je l'espère pour vous, vous savez que vous avez moyen en fait de mettre des commentaires, c'est cette petite icône-là. Et cette icône de commentaire, en fait, elle va vous donner dans Acrobat, et elle va donner à tout utilisateur d'Acrobat, même un Acrobat Reader, l'utilisateur pourra tout à fait dire, je vais sélectionner un bout de texte, on va le remplacer, et on va insérer du texte à la place. Donc ici, je peux choisir de mettre une note, pour le remplacement de texte. Ici, on va remplacer par mon premier paragraphe. Je vais pouvoir lui dire, hop, j'ai publié mon commentaire, je vais pouvoir lui dire qu'on va supprimer, alors on va pas le faire, on va pas faire tout sur la page 1, on va supprimer le mot aximolu. Ne me demandez pas pourquoi. Donc je clique ici, je supprime ce mot, le texte est barré. On va pouvoir lui demander de non pas faire vous poursuivre votre quête, mais rendez-vous au. Hop, je prends mon texte, je remplace par rendez-vous au, voilà. Vous pourriez même faire toutes les corrections que vous avez l'habitude de faire dans un PDF. On a des options pour faire du texte, pour créer, pour ajouter des annotations. Toujours est-il que ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va sauvegarder ce document. Et ce document sauvegardé, je retourne dans InDesign, et je vais lui demander dans le menu fichier d'importer les commentaires PDF. Et importer les commentaires PDF, c'est une fenêtre magique, vraiment, depuis quelques temps, j'en suis hyper fan, c'est que je vais importer ça, et quand j'importe les commentaires, regardez bien sur mon document ce qui vient de se passer. Ici, il m'a indiqué les zones qui allaient être à corriger. Et donc, je vais pouvoir naviguer d'une correction à l'autre, je vais voir les corrections sur la page 2, les corrections sur la page 3, etc. Et surtout, surtout, je vais pouvoir lui dire, ben tiens, cette correction-là, vous voyez, c'était Ipsae, Eroquam. Eh bien, je vais pouvoir accepter la correction, et il va remplacer par mon premier paragraphe. Je vais pouvoir, du coup, lui demander de filtrer, et de ne voir que les commentaires qui n'ont pas encore été résolus. Et donc, quand je lâche mon filtre, je vois toutes les corrections suivantes, et je vais accepter, parce que je me fais confiance, accepter, etc., etc. Et donc, je vais retrouver ce flux de travail sur le PDF, et pour moi, c'est une des très 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 grosses améliorations des dernières versions d'InDesign, qui vont vous simplifier, mais tellement la vie, sauf si vous avez des vieux clients réfractaires qui adorent imprimer, raturer au feutre rouge avec une écriture illisible, vous faxer les documents en retour en croisant les doigts pour que leur correction soit comprise. Voilà. Non, mais c'est sûr que c'est en termes de flux de production, c'est génial. Ouais. Ouais. Pour information, si on utilise Publish Online, il est possible de visualiser le document et si besoin de cliquer en bas pour obtenir un PDF qui, lui, peut recevoir des commentaires. Oui, tout à alors, fait, Richard. À condition de cocher la case exporter le PDF bien sûr. En même temps qu'on... Non, non, tu fais bien, Richard. Regarde, ouais. Je repasse sur le, non, c'est l'écran. Ouais. Donc, effectivement, quand on publie, on a la possibilité d'autoriser les utilisateurs à télécharger le document au format PDF. PDF d'impression, pour le coup. Ouais, un PDF impression. Ouais, pas le PDF de... Non. Et alors après, donc, si vous cochez cette case, effectivement, il y aura le bouton d'export, enfin de téléchargement. Et après, dans le truc avancé, on peut aller choisir parmi les plusieurs paramètres prédéfinis qui sont présents dans votre sur votre poste, sur quelle version de PDF, enfin quel export PDF vous souhaitez avoir. Alors, par défaut, il vient se mettre en qualité supérieure, je crois. Et là, effectivement, alors ce que je vais le montrer, mais en faisant, tu vois, par défaut, il sort les images en 96 ppp. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé pour ton image. Ouais, tout à fait. C'était complètement pas suffisant pour le voilà. Besoin. Parce que il va les sortir sur un format bitmap quoi qu'il arrive. Mmh. Donc il va pas les sortir en SVG, même si elles sont encore même en si elles SVG. Sont encore en vecteur. Après, pas encore, j'ai envie de dire. Autre chose que je voudrais montrer aussi, c'est que je vais en mettre une autre de tes illustrations, parmi celles que tu as faites. Et donc je reviens dans la bibliothèque ici, laquelle je n'ai pas utilisée. Prends le crâne. Le crâne et le verre d'eau, je peux mettre ça. Ouais, allez, ouais. Je vais mettre ça et je vais la mettre en ouverture, là, dans la page 2. Un peu. Alors dans ce cas-là, prends peut-être le château qui est dans la montagne, il sera plus adapté. Parfait, le château qui est dans tout la montagne. Non, pardon, pas celui-ci, celui-là. Voilà. Il sera plus adapté pour une pleine page. Pour super. Hop. Parfait. Donc, je mets ça comme ça. J'enregistre et je refais le Publish Online avec
donc le bouton pour télécharger le PDF. Et je vais non pas créer un nouveau document, mais je vais mettre à jour un document existant. Et pour mettre à jour le document existant, je retrouve du coup un petit menu déroulant avec l'ensemble des Publish Online déjà actifs sur mon compte. Évidemment, il va mettre le dernier utilisé, donc c'est plutôt pratique. Je retrouve les mêmes options, je veux faire un export grossi, etc. Et je clique sur le bouton publier. Et là, il dit, attention, t'es sûr que tu veux mettre à jour le lien? Oui, je suis sûr de mettre à jour le lien. Donc, c'est pareil. Il prépare. Donc là, en fait, il fait l'export, hein, tes images en PNG, le texte en SVG, etc. Puis, ça va relativement vite. Il fait sa valise. Puis, une fois qu'il a fait la valise, maintenant, il l'upload. Voilà. Donc là, ici, la vitesse, elle dépend de la vitesse de la vitesse de connexion, du poids des images, du nombre de pages que vous allez exporter, bien sûr. Exactement. Et alors, si vous avez déjà cliqué sur le lien, sur lequel il y a le Publish Online, une fois que ça aura fini d'uploader, eh ben, il suffira de mettre à jour le lien. Ouais. Et ça, c'est très utile pour les clients avec qui vous partagez l'état d'avancée de votre projet. C'est que ça évite justement de multiplier les PDF qui sont des PDF intermédiaires. Et surtout qui vont être des PDF pas à jour. Voilà. Parce que je pense que une grosse problématique sur des flux quand on n'est pas tout seul, c'est d'avoir le client qui vous dit « Non, mais je viens de regarder, t'as pas mis à jour ». Et de vous donner des corrections sur des documents qui sont plus anciens déjà. Ça c'est toujours. Alors que là, maintenant que le Publish Online est sorti, eh bien, il suffit de recharger la page. Voilà, et on a donc ton illustration qui est bien page 2. Tout à fait. Par contre, on n'a pas du tout traité le titre. Hein. La pierre doit être sculptée. Non, il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a encore faire, un peu de boulot. Hein. Disons que c'est du réglage. Peaufinage, quoi. Alors, Jean-Noël nous demande comment est-ce qu'on peut sécuriser notre PDF quand on l'envoie à notre client pour qu'il ne le modifie pas. Alors, vous pouvez tout à fait rajouter des mots de passe dans le PDF, vous pouvez protéger contre la copie, contre l'impression, etc. En ayant bien en tête un truc tout bête, c'est que tout élément, toute protection ou autre qui a été faite par un être humain peut être défaite par un autre être humain. Je préfère le préciser pour le moment, pour que vous ne soyez pas surpris. Sous-entendu, c'est une protection, mais elle n'est pas infaillible. Ils sont cryptés, mais comme tout cryptage, c'est pas infaillible. En tout cas, pour, je dirais, 99% du commun des mortels, c'est suffisant en termes de rendu. Voilà. Ah, merci pour le passage là-dessus. Voilà. Donc on peut exiger un mot de passe, alors peut-être pas à l'ouverture du document, mais sur la modification, pour restreindre l'impression de la modification et d'autres opérations. Tout à fait. Ensuite, on vient mettre le mot de passe. On va mettre Adobe. Clac. Et alors, ce que je voulais voir, c'est si ça pouvait être un élément qui s'enregistre dans les paramètres prédéfinis. Parce que dans la mesure où, quand on fait un Publish Online, on va chercher le paramètre prédéfini derrière. Alors, je vais faire un enregistrement prédéfini que je vais appeler Protection. Protection, je l'enregistre. OK. Je fais un premier export, il me demande de confirmer. OK. Parfait. Donc là, si je veux imprimer, logiquement, il va me demander des droits derrière. Enfin, je suis pas sur la bonne, mais il va me demander des droits. Je veux bien sûr quelque chose qui est protégé, ou de modifier, ou des trucs comme ça. Mais en revanche, donc si je reviens dans le Publish Online, si je choisis de faire avancer suivant le paramètre prédéfini protection, donc je clique sur publier, il va le mettre à jour. Ah non, pardon, on s'en fait un nouveau parce que je vais faire annuler, pardon, je vais faire publish online ici. Donc mettre à jour un document existant, autoriser, mais en allant chercher dans les paramètres avancés protection, je fais publier. Oui. Alors là, du coup, l'essai, c'est de faire en sorte que le PDF qui est disponible au téléchargement dans le publish online est la protection que j'ai indiquée au moment où j'ai enregistré le paramètre prédéfini. Mais comme il ne m'a pas demandé de confirmer le mot de passe, j'ai un petit doute quand même là-dessus. Oui. Bon, on va tester, on va vérifier ça. Tout à fait. Mais non, justement. Oui, bah non, effectivement, si vous voulez qu'il le modifie, il vaut mieux lui demander de ne pas mettre de mot de passe. Ouais. C'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je suis très sceptique sur le concept de mot de passe. Moi, je m'en sers jamais, honnêtement, des mots de passe non plus. Après, on fait des PDF base def si vraiment on craint. Mais bon,
A priori, les relations se passent plutôt bien. Eh bien, voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de notre session. On regardera si le PDF est protégé un petit peu plus tard. Mm-hmm. Merci aux uns et aux autres. Merci à tous. Merci Alexandre pour les liens, parce que tu nous as donné beaucoup de ressources qui étaient bien utiles. Merci Richard pour les questions hyper précises. J'espère que vous avez trouvé toutes les réponses à vos questions et non pas toutes les questions à vos réponses. J'espère que vous avez apprécié la session avec Jean-Loup. Pour ceux qui auraient besoin d'avoir plus d'infos sur la mise en page de magazine, je vous rappelle qu'il est intervenu et qu'il y a le lien dans la description de notre session sur la précédente session. Sur le magazine, qui aura le lien vers ton site sur lequel on pourra trouver tes formations, je pense, les tutos et autres. Et puis, merci à tous et jouez bien. Merci beaucoup. Au revoir.